Alors, c'est-à-dire... Faut quand même savoir que je n'avais aucune idée qu'il y avait un jeu Avatar. Genre, zéro. C'est pas possible que là, que tu découvres ce soir qu'il y avait un jeu Avatar. Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne savais pas qu'il y avait un jeu Avatar. Ils ont dû chier quelque part quand même. Là, tu viens de découvrir, là, ce soir, Ouais. que Ubisoft avait fait un jeu Avatar. Ah, complètement. Et Attends, je vois que je suis pas le seul, hein. mais tu n'as pas regardé le test d'Hugo sur Avatar? Le test d'Hugo sur Avatar, c'est connu. Ouais. Il a fait un test sur Ah, il a Avatar. fait un avant-première, le test d'Avatar, et tu ne l'as pas regardé, ça veut dire. Ah non, j'ai dû louper, my bad. Oh non, et il est bien ce test? J'imagine. Tu l'as pas regardé? Mais je sais qu'il existe. Ah bien. Par contre, ça ne change pas le niveau de difficulté. Moyenne, Moyenne, je j'assumerai. dirais. Moi, je dirais moyenne. Alors, comment ça? Défier la fréquence des conseils permettant de localiser les quêtes. Oh non. Ah, je suis quelqu'un, je veux qu'on me laisse tranquille. C'est bien qu'il donne le choix de ça. Ouais, merci de me le proposer. Non. Ça, c'est l'esprit de Eiwa. Je te fais un peu le lore d'Avatar. Oh, je vais te dire un truc qui va te... Non, ça lag? Ça grésille un max. Bah, tiens, je sais que c'est pas moi le problème. C'est pas possible. Oh, ouais, non, ça. Là, par contre, c'est. Hein. Regarde, je suis même un plaisir, je débranche mon micro et je le rebranche. Non, mais c'est pas ton micro. C'est le jeu. Ah, c'est le jeu! Ah oui, putain, je sais que j'ai ce problème-là par contre. Attends. Parce que ça, là, ça grésille Attends. à Il faut Donf que je de chez fasse. Donf. Est-ce que si je baisse la qualité du partage? Ah ouais, mais si je baisse la qualité du partage, tu vas pas être content. Bof. Parce que là, déjà, je te mets du 720p 30 fps. C'est Bah vraiment déjà de base. C'est pas là, top. ça va mieux, mais c'est 5 FPS. Et là, ça c'est comment? Attends, ça se remet bien là. Ça essaie de survivre. Le travelling, il prend des claques. Il prend des petites claques. Bon, pour l'instant, ça va. Je t'ai mis en 1080p 60 fps. Je t'ai même amélioré le truc. T'étais en 720 30 fps là. Je pense que ça va le faire. Tu dis, hein? C'est pas parce que tu joues pas que tu dis pas. Non, c'est écrit, regarde. À l'intérieur de la tutelle des ambassadeurs partenaires, voilà. Bonjour. Voyons la tutelle des ambassadeurs partenaires. Quand la RDA a découvert Pandora, on ne peut pas découvrir quelque chose qui a toujours été là. Ah ah, Ré. On dit découvert parce que ce sont les premiers humains à être venus ici. Quand nous sommes arrivés, nous avons compris qu'il était possible de Mais créer des qui parle? relations bénéfiques avec les peuples Alma? Autochtones. Oui. Nous avons créé des avatars pour aider à forger des relations avec les Na'vi. Et quand vous finirez vos études, votre rôle en tant qu'ambassadeur sera d'entrer en contact avec les Moi, clans Na'vi et nous aider ça m'a le design des avatars me ces met mal à indices. l'aise. Je sais pas pourquoi. Ah bah, Quelqu'un tu diras pourrait me ça aux dire comment on 58 pourrait millions s'y de vues porno prendre? de vidéos Avatar. Y a des gens que ça fait kiffer. Moi, je... Ils La sont RDA trop peut grands, partager je sais des pas, c'est médicaments, des trop. technologies et des connaissances. C'est exactement ça, Ils Taylor. sont trop grands et fins. Directeur Mercer, nous avons étudié la mission de TAP, comme vous l'avez demandé. Pourquoi les Na'vi voudraient des alliances Arrêtez de avec mettre un nous? drone de pause entre Navi et. Les Na'vi! Tu n'as pas idée de ce à quoi ressemble la vie dehors, Harry. Lui, il est méchant. Pourquoi? Homme blanc, Il est 50 ans. blanc, j'allais dire. C'est sauvage. Il est pas bleu, il est blanc. On vous a trouvé enfant quand votre clan vous a abandonné. On vous a donné un avenir. Un objectif. Notre clan ne nous En aurait plus, il a jamais un look abandonné. d'entrepreneur un Built peu. upon its length. Lui, c'est un genre de Elon Musk de Pandora. Je t'ai Tout droit laissé sorti de porter la French cette Tech. babiole dégueulasse. La seule condition, qu'elle reste dans ta couchette.
Donne-moi ça. Ça te dérange pas qu'ils ont que 4 doigts? Si. Mais on n'a pas encore parlé de la queue, hein. Enfin, y a plein de choses qui vont pas. C'était à notre mère, pas une babiole dégueulasse. Ah, elle s'appelle Ahari. Tu ne sais même pas ce qu'est un collier de... Ahari. Ce n'est qu'une corde cassée. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois accepter que ta mère t'a abandonné. Pas sympa. Menteur. Vas-y, casse-lui la gueule. Mets-lui un coup de queue. Vous connaissez les règles. Pas de contact physique. Vous êtes privé de dîner. Directeur, s'il vous plaît. Putain, il est trop chiant. Manor. Manor, t'enzi. Angangnahu. Tam. On va parler français quand même. On comprend rien, attendez, parlez la langue des blancs. S'il vous plaît. Pandora, pas Pandora, vous allez faire un effort d'intégration. Tu cries en Na'vi. Pourquoi tu prends toujours le parti de Mercer? Le directeur Mercer nous a sauvés. Oh, le suce-boule. Bouh. Suceur de blanc. Ils nous ont arrachés à nos familles. Nous ne sommes que des pousses sans racines. On ne se souvient même pas d'où l'on vient. Mais on peut quand même grandir. En plus, ici, on a les doigts de pied écartés pour rien arranger. Je ne me souviens même plus des paroles du chant de notre... Entre le gros doigt de pied et le doigt de pied d'à côté, putain, il y a un espace. Mettez-en un sixième, faites pas chier. C'est grave. Il y a de la place, hein. On ne peut pas les laisser nous arracher tout ce qui est Na'vi. On doit faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Nous sommes plus forts qu'eux maintenant. Je l'ai senti en classe avec Mercer. On peut tout arrêter maintenant. Vous faites trois fois leur taille. J'ai une idée. Bah, clairement, ils ont une force de ouf aussi, non? Bah ouais. Et là, on est plus fort que alors. Bien joué. Oh, Nakan et quel coup. Je sais pas comprendre ce que tu vas dire. On travaille, Taylan. On doit se dépêcher. Il ne nous reste que quelques minutes à respirer leur air avant d'avoir besoin de masques. On les a trouvés. Bon bah, fin du plan. Ils sont vraiment nuls. Vous me décevez beaucoup. S'il est vraiment méchant, il va en flinguer un des quatre. Nous avons offert cette vie privilégiée. Et vous voulez tout gâcher. On ne veut pas de ta vie privilégiée. Il va les séparer. Notre place est dehors. Non, vous nous appartenez. Vous vous rendez compte de tout ce que nous avons investi pour vous? Nous vous avons sauvé, donné un foyer, une identité. Nous avons déjà une identité. Nous sommes Na'vi. Non. Vous êtes ce que j'ai fait de vous. Oh, c'est pas le moment. Bah. C'est Michael Jackson qui vient appuyer sur l'arme. Oh, plein d'embrouilles. Chanter les chants de notre peuple. Arrêtez de chanter. Bah là, il est juste gêné en gros. Bah ouais. C'est pas dangereux, juste il est gêné. Vous êtes mal à l'aise là. Dites-vous taire, arrêtez de chanter. À sa place, moi je dirais au soldat, fais à volonté. Hein. Allez, on rentre chez nous. Aouna, kane kelku. Préviens, Ahari, pas un pas de plus. Ça, on m'a Taylan. Wanky Vanya quelqu'un. Arrête-toi. Ah, ils ont chargé les armes. Oh, j'avais dit. Après, ils pourraient tirer genre dans la jambe. Oh, je n'ai pas fait exprès de viser la tête. Ah, c'est un accident. Leur sang, il est bleu aussi ou pas? Les questions très pratiques sur la situation. Je crois que non. De mémoire, mais. Ils ont un trou du cul? Oui. En tout cas, sur les réinterprétations que j'ai vues, oui. Sur les films en 3D que j'ai vus sur d'autres sites, oui. 8 ans plus tard, le Toruk Makto et les Omatikaya se soulèvent contre la RDA. «
Aujourd'hui, nous allons reparler de l'économie terrestre et de la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi on doit utiliser des armes humaines ? Nor, on en a parlé. Pandora est un endroit putain, très putain, c'est excellent, ils ont fait un troisième film Avatar, quoi. Putain, c'est génial. Soit je pensais comment que ça allait être un jeu. Putain, c'est une exclu de ouf, ça. Et on a le droit de le mettre sur Twitch, vous êtes sûr. Directement de Hell's Gate. On doit évacuer Pandora. Oh, la taille. C'est beaucoup trop grand. Hein. J'avais oublié que c'était si grand. On a perdu Pandora. Jake Sully, un ancien pilote d'Avatar, s'est retourné contre nous. Il a retourné les navis contre nous. On aurait dû se méfier d'eux depuis le début. Vous devez récupérer vos affaires et retourner dans votre corps. Maintenant, les marionnettes, c'est terminé. Très bien, les enfants, rassemblez vos affaires. Hé, Cortez ! Je m'en occupe. Vous devez y aller. Vous savez quoi faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous tuer ? Eh oh, oh, eh ! Non, hein. Ouais, faut pas tirer quand même. Ah non, hein. Ah, chais. Suivez-moi, vite. C'est notre seule chance. Allez. Entre là. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu seras en sécurité. La sœur va nous abandonner. Il n'a plus besoin de nous. Non, c'est pas vrai. Dépêchez-vous, cachez-vous vite. Laissez-nous partir. On peut leur échapper. Il y a une entracte. S'enfuir. Vers Pandora. Moi j'avais pas pris le popcorn et je suis dégoûté. Il y a des soldats. Et en plus j'avais envie de pisser, donc là. On peut se lever pendant la séance ou c'est interdit ? C'est votre seule chance de survivre. Mais et vous ? Vous allez dormir. Pendant un petit moment. Ce ne sera toutefois, pas longtemps. En vrai, je trouve que c'est joli quand même. Oui, c'est... Ah, ça je pense que tu vois. Et encore. J'ai vu les images du jeu, la nature elle est très jolie en plus. Je trouve, pour un jeu tiré d'un film, pour l'instant, ça commence bien, parce qu'on connaît oui. les catastrophes. Hein, on connaît les catastrophes. Mais, je voudrais jouer juste, c'est juste ce que je demande. Hein. Ah, tu en demandes un peu beaucoup, tu vas attendre. Ah, tu vas peut-être faire un perso là. Olé ah ah. Bon, si tu veux, s'il te plaît, tu lui mets une énorme queue, très très grand, très fin, si les doigts veux. De pied bien avec écartés. Plaisir. Oh là, c'est oh, pas. C'est, oh, là. Oh putain, c'est. Oh, c'est y a de l'air là-dedans. Oh là. Ça gonfle là. Oh là là, le ballon de baudruche. Oh putain, comment. Allez, on part sur celui-là. Ah, parce qu'en plus, tu peux. Oh bah, je peux le gonfler encore plus. Oh, y en a des idées là-dedans. Ouais. Il est gonflé, il est fatigué. Attends, il est où le fatigué? Il est fatigué là. Fatigué, oh là. Caché la les vie. Vêtements. La vie est oh, dure. Putain, oh là là là, attention. Attention, hein. Alors. Pas ici. Ok. Mais. Oh. Tournez-moi le bousin. Ah, voilà. Ok. Ah, je suis. Ah, on oublie de se taper la queue en tu fait. Tu as toujours la queue parce que c'est un signe des Na'vi. Je sais pas, qu'est-ce qui. Tu fais. J'ai pas capté, tu fais un homme ou une femme? Bah, je vais faire un homme. Ah, pardon. Désolé, j'ai mégenré ton maintenant personnage parce que j'ai. On dirait un peu une femme des fois. De toi ici. Là, c'est. Déjà aidé. Non, ça va, ouais, maintenant, il ressemble, c'est à, mon tour. Il ressemble là, à un homme. Ouais, non, ça va. Qu'est-ce que je fais comme. C'est nul, le. Ça, hein. Oui, c'est nul. Alors, le 3, 2. 2, 2, c'est ok. Mais. Non, celle-ci, c'est ok. Ça, regarde, le départ de cheveux, il est loin, ouais, le crâne, il est loin. Oh ouais, après, je suis qui pour juger. Je peux pas me permettre déjà quoi que ce j'ai soit. J'ai pas vanné un frère. Bah... Qu'est-ce qui change? Ah putain, c'est un détail, faut trouver je les pointillés, ils sont discrets. Hein. Tu les vois? Ah oui, je les vois. Et attention parce que ça dit beaucoup sur ta personnalité en tant que Na'vi. Ah bon? Oui. Là t'es un gros connard. Ah mais attends, oui ça change la... Putain mais ça se voit franchement... Ouais non mais regarde, même sur les bras et tout on voit que ça change. Ah non. Là je vois, ah, si. Je vois pas de diff là. Ouais, les petits points, les petits points. Ça, d'accord. Qu'est-ce que je me fais comme motif? Je préfère avoir un truc. Ouais, voilà, comme ça, tigré. Voilà. Teint de. Oh, c'est malade là, le Na'vi, oh là il est malade. Hein. T'allais dire le nazi? Ouais, j'ai failli me tromper.
Tu m'as déjà aidé. Allons-y, frère nazi. Comme moi, tu es un nazi. De toute façon, sans FPS, je vais jamais me voir. Pourquoi je me prends la peine de me montrer comme ça là? Oh, dommage, on aurait pu jouer en coop puisqu'il y a un mode coop. Mais. Ah oui, putain, on aurait pu se voir. Mais bon, là c'est pas important. Ah non, j'ai laissé la voix de femme. Je pensais vous avoir perdu. Ah non, non, non. Que c'était fini. Oh non, oui. Ah merde. Oh non. Disons que t'as dormi longtemps. T'as dormi longtemps et t'as une voix de meuf. Oh, t'aurais pu avoir une voix comme ça. Ouais, ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Les autres restent ici. La RDA est partie, non? Et tu nous as laissés ici. Ceux qui viennent du ciel sont revenus, Sarentu. Sarentu. Ceux qui viennent du ciel, c'est les hommes blancs, si t'as pas suivi. Ouais. C'est bien ton clan. Un clan fort et brave. Quatre chocolats pour vous avoir perdu, mais cette... Marcheuse de rêve, vous avez rien, seulement là. Enfermé dans une... J'ai rien, il reste 3 heures de film, je suis dégoûté. Je t'expliquerai ça plus tard. Mais pour l'instant, reste tranquille, ton corps va se réveiller. Pitié, dis-moi un truc, genre appuie sur A, appuie sur B, allez là. Écoutez, je demande pas grand-chose. Ça sent le passage gameplay. Oh, ça sent le passage gameplay. Oh oui, 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 oui. Est-ce que tout le monde va bien? Tu as un couvre-chef, une selle et des ornements. Regarde-moi ces merdes d'hommes blancs. Oh là là. Nous sommes sortis. Ah, ils sont tous petits. Ça arrive pour de vrai. Nous allons tous sortir. On devrait les tuer là. Non, c'est des alliés. Bon. Pourquoi tout paraît si cela, oui. Ici. On peut se dépêcher. La RDA. C'est des scientifiques. On bavarderait plus tard. Vas-y, mange. Tu auras besoin de. Ah merde, attends. C'est où, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une limite de FPS, s'il vous plaît? Bien sûr. Non. Oui. En dessous, encore? Ah non, ça doit être dans la fréquence. Ouais. Ah! Limite de FPS, oui! Ouais! Moi, 60, ça me va, hein. Je vais pas faire le gourmand. Hein. Si, hein. Non, rien. Je jurerais qu'en 60! Non mais de toute façon je m'en fous, tu me l'envoies en 60, je m'en branle. Ouais, ça m'envoie en 60, je règle en 60, j'ai ça en 60. Ça me va très bien. C'est juste dans l'idée, moi que ça fait chier. Dans l'idée, ça me... Je peux pas ne rien dire, ça me dérange. Y'a que moi qui est embêté par bien sûr, ce, évidemment. Ce truc-là. Évidemment. Alors je voudrais s'il vous plaît maintenant... La vitesse de ma souris. Bah vous pouvez mettre encore plus de menus, j'aimerais être perdu. Putain la vache! T'en voulais des paramètres? J'espère que ça va être bon. On a trouvé des rations dans la cantine. Il y en a encore. Enfin, je crois. Putain, on a bien fait, je crois que ça disait que la coop était pas encore disponible. Ah bah putain! Heureusement qu'on n'a pas attendu. Sachant que le jeu sort demain matin sur l'Epic Game Store. Je crois, j'ai vu que ça se débloquait le matin. Ne me touche pas avec ça! Quoi? Il sort où, Link? Sur l'Epic Game Store! Avec le lien dans la description, dans le chat, point exclamation oui, jeu, avec le code créateur Wankill. Non, le code Wankill. Wankill. Mais c'est pas adapté pour nous en fait. C'est ouais, une base de sale raciste. C'est quoi ce ton? On doit s'accroupir. Alors c'est ça que vivent les gens grands. Ah, non, c'est, bah, c'est la première fois que je suis grand. Non mais pour devoir s'accroupir pour passer dans un couloir, c'est pas quelqu'un qui est grand là. Moi j'ai jamais dû m'accroupir pour passer dans quoi que ce soit. Oh, elle est loin la caisse, ouais, putain. Ration. T'as 2 rations rassis. C'est super. C'est pas ouf. Qu'est-ce qui. La RDA approche. On peut y aller. Allez, on va tuer des hommes. Ah, attends, je mange. Ah, ça va mieux. Je peux manger l'autre ration? Bah, gourmand, garde-la pour plus tard. J'ai pas toute ma vie. Voilà. Oh, la gourmandise. De toute façon, elle est rassis. Ah, t'as vu, je me fais mal quand j'essaie de. Ouais. Bah, allez-y! Wow! C'est l'enflure en chemise blanche! Les enfants! Ils sont vivants!
Cortez. Notre prince est ça. On s'en débarrasse. D'où tu sors? Oh là, il faut éviter les balles là, ouais. Yes. Oh là, c'est à moi? D'accord. Objet. Pas de soucis. Ok, le jeu est joli, ça va. J'arrête de chouider. Alors nous, c'est via le partage Discord, mais en vrai, c'est ça va. Oh bah, tu te démerdes avec ta bouée de pixels, moi ça va. Non, ça va en vrai. Attention à pas te prendre la tête partout. Mais t'as... tout est minuscule, j'ai l'impression que c'est comme Small Land. Ça rend claustro là un peu. C'est genre un miracle qu'ils aient fait des grands bâtiments où je peux courir un peu. Ah là, c'est pratique. Du coup, il parlait de Jake Sully et tout là. On est dans un événement parallèle à ce qui se passe dans le film. On est où là? On est juste après la fin du 1, je pense. Bon, tout le monde me dit que c'est pas fluide. En gros, mon Rake est en train de se niquer. Je sais pas pourquoi ça. Qu'est-ce que je fasse quoi. En gros, moi je fais jamais ça, mais là je stream Discord plus. T'as vu, c'est dur, hein. OBS plus Rake. Vous en demandez beaucoup à mon ordinateur là. T'as vu, c'est dur, hein. Les cinématiques, elles étaient skippables ou pas? Possible, pourquoi? Bon, rien, j'ai le jeu dans 14 minutes, mais bon, c'est long. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour... Regardez-moi cette jolie Veram en bas à droite, là, elle allait pas bien. Oh là, oui, attends. Elle pousse un peu, là. Oh là, doucement, attends. Elle pousse ta Veram. Je mets peut-être un écran, je vois ça. Oh là, ouais, mais alors le plein ici. Écran. Ouais, ici c'est fluide, les gars, mais c'est le rec local qui. Mais c'est vrai qu'ici c'est fluide. Ok, est-ce que. Ah, donc toi c'est fluide? Ah, moi le partage Discord il est bien. Ah, tu te fais pas chier, toi. On a pas de problème, on est bien. Ok, bah là je peux rien faire d'autre, de toute façon. Ah ouais, c'est d'une fluidité. C'est ironique, je déteste l'ironie et le sarcasme encore non, plus. Non, c'est même pas ironique, c'est fluide. Alors, j'imagine qu'ils m'ont donné une touche. Alors oui. CV. C'est par balle, oh non c'est pas par balle. T'en as pris 2-3 là. Oh mais ça saute haut, oh, hein, Na'vi. Obligé de dire Na'vi. Putain, ça se déplace bien les Na'vi là. Hâte de voir la. Basé sur le déplacement. Hâte de voir la nature luxuriante. C'est ça. Quelqu'un d'autre. Par ici. Est-ce que ça va? Oui. Tu es tout petit. Ah non. T'es bon. T'es petit pour un Na'vi toi. Tiens, prends ça. C'est un humain qui sait pas turlurer en bleu. Il vient par là. T'as pas chômé. Ils te cherchaient toi, mais ils m'ont trouvé. Tu dois partir, vite. Attends! Quel est ton nom? Solek, l'un des derniers de mon clan. J'aimerais éviter que le tien connaisse. Ah, regarde là, que t'as vu? Non, si. Ah, bah on peut passer des dialogues! On peut passer. Ça, c'est une bonne chose de le noter. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Il y a des soldats partout. Ça va aller. Respire. Cherche une issue. Il va t'arriver une bricole. Wow. Oh, ils vont casser les couilles avec leurs robots là. Ouais, mais je fais leur taille. Ouais. Mais les robots sont plus forts que toi. Tu m'entends? Où sont les autres? Je peux pas croire que... Ils ont réussi à sortir? Je suis en train de les aider. Tu es en sécurité. Pour l'instant, je crois. Je m'occupe des autres. Continue d'avancer. Allez, je veux. Oh bah ça a pété là. Bien joué. Je veux voir Pandora. Ils ont cryogénisé des Na'vi. Petite phase d'infiltration là. Ouais, mais accroupi, je fais quand même la taille de l'étagère entière. Ouais, t'es un peu encombrant, genre. Tu sais pas trop où te mettre.
Oui. Ouais, bah toujours plus. Trop bonne idée. Il y a un abruti qui a voulu se baigner. On a retrouvé son fusil et ses bottes. Il restait rien d'autre de lui. Vous voyez pas, vous êtes sûr? Parce que je suis quand même grand, hein. Eh putain, fais gaffe. Oh oui. Et voilà. Attends, mais c'est quand même étonnant ce qu'il vous regardez pas. Après, t'es quand même tout bleu et tu fais 3 mètres, hein. C'est quand même dur de te louper. Qu'est-ce que... Par là ? Ce serait bien que tu trouves une petite mitraillette là pour espacer tout ça. Le gymnase est verrouillé. Je vais trouver un autre moyen de passer. Des patates. Ouais. Fuir la tape. T'as fui la tape. Quoi ? Trouver un moyen d'ouvrir la porte vers la salle d'entraînement. Oh, en salle d'entraînement, t'auras des armes. C'est-à-dire... T'avais pas une porte derrière toi, là ? Ah non. Non, non, non. Ah, si, y'a une porte là-bas, mais elle est fermée. Après, y'avait une porte, mais moi, je dis... Il y avait une porte. Ouais. Celle-ci, là. Ouais. Elle est fermée. Tu vois bien qu'elle est fermée. Y'a n'importe quoi, regarde, elle est ouverte. Non, mais c'est bon, du coup. Mais là, je... Ah, ça, c'est fermé, je pense. Ah, bah, tu vois, je le sentais bien, là. Ouais, ouais, c'est hyper dangereux. Voilà, portée minus. Tu dois réussir sa first try. Pourquoi je suis pas resté chez moi ? N'importe quel gamer avec un peu un minimum d'expérience s'en tire sur un truc comme ça. Bizarre ça. Bizarre. Voilà, la glissade. Oh. Longue la glissade. C'est bon, je suis sorti. Ça va, ta peau est un peu pare-balles. J'utiliserai ton rec, hein. Oh bah il va être joli mon rec. Il a intérêt d'être bon, parce que moi le mien est mort. Oh il est... Ouais ça devrait aller tolérable. Les gens sur le stream, vous avez une expérience ok, en vrai. Ça va. Y'a pas de... On a dormi combien de temps? C'est complètement ok. Ah d'accord. On a été cryogénisé pendant très longtemps parce que la nature a repris ses droits. Ou alors j'ai rien compris, c'est parce que je suis pas depuis tout à l'heure. Je sais pas, le chat, vous avez compris quoi là? Oh non! Le méca robot. Putain, la technologie humaine est destructrice. Je te tiens. Vous avez quoi, Arden? Encore lui là. Putain, il est toujours si bien coiffé, il m'énerve. C'est ça, la véritable rebelle de la famille. Assassin. Et regarde où ça l'a mené. Quel dommage. Ils auraient pu nous être utiles. Mais nous n'avons plus d'ambassadeur, Navi. Seulement des obstacles. Cours ! Mais vous allez me montrer Pandora, oui? Non, d'abord fuis la tape. Tu sais pas ce que c'est? La troupe. Fin. Est-ce que ça va? c'est pas passé. La troupe armée de Pandora. Solek? Ça pourrait. Ah ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Oh, je sens l'extérieur là. Oh, je me rapproche de l'extérieur. Oh Pandora! Oh, je te sens Pandora là. Oh ouais. Bon, fin de Pandora. Attends. C'était un je petit sens teasing. L'esprit de Aiwa arriver. Ah ouais, il y a la musique un peu là. La musique, ça veut dire? J'ai entendu des oiseaux. Pandora. Oh ah. Ah oui. Oh. Aiwa. Oh. Hey, waouh! Oh. Oh, le partage il va prendre cher. Moi c'est fluide, hein, mais toi je sais pas. C'est acceptable! Oh, c'est d'une beauté! C'est acceptable! On excuse Pandora pour ses quelques pixels. C'est vrai que c'est typiquement le genre de jeu de toute façon où en streaming c'est compliqué parce qu'il y a du vert partout, il y a du... Ah c'est dommage, moi c'est full FPS, c'est très très beau. Ah c'est... De toute façon c'est pas facile, ça c'est sûr. En stream ça, n'importe où. Oh ah, là là, comment c'est possible? Eh flingue-moi 2-3 animaux là. Ouais mais j'aimerais bien, attends, corps à corps ça marche contre les trucs là.
pour en faire un gibier là. C'est quoi ça? Oh, ça me met mal à l'aise ça par contre. C'est de la merdasse. On dirait un truc carnivore. Mais des coups de poing dans la nature. On peut commencer à casser des arbres pour faire une cabane? Ouais. Encore l'air. On va crafter un truc. Que s'est-il passé? Normalement, je suis à un avis. Les animaux ils devraient pas me fuir. Je suis en communion avec la nature. Suis les débris de la RDA. C'est ici, pas de soucis. La République démocratique d'Argentine. Bon, allez vous faire foutre. Oh, ils ont détruit l'esprit de la forêt. Bah, non, non, pas d'Allemagne, le chat. On n'est pas en Allemagne. Mais en soyez ça ressemble à l'Allemagne, ça. Soyez pas ridicule. Soyez pas ridicule, le chat. Ils se sont améliorés. Hein. Station de carburant. Ouais. Tu viens faire le plein? Qu'est-ce que tu fous là? C'est vrai que. Par ici, près de l'arbre. Ah, c'est un arbre qui parle? Par ici, mon enfant. C'est l'esprit de la forêt? Parle-moi. Par ici. Oh. Tu vois enfin fais voir ton sang, faut qu'on voit s'il est bleu ou rouge. C'est bleu ou rouge, vite, il faut une réponse. Réponds. Je vais avec un scalpel. Tu n'es pas en état de te battre. Il fait semblant, il a juste l'épaule déboîtée là. Ouais, y a rien. Par contre, on lui a volé son arc. Ça c'est très bien. On va pouvoir commencer à tuer les animaux. Il te faut des flèches. Oh, le bois des broussailles est souple. Tu en trouveras. Fais confiance à tes sens. Allez, DIY, fais-nous des flèches. Les humains ont besoin de lumière, mais tu, Ena, vis, perçois la forêt comme moi. Oh, tu peux utiliser tes sens. Oh. Tu vois, tu es ici chez toi. La forêt te parlera, si tu l'acceptes. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Tu vois un peu des trucs. C'est bon, j'en ai. Maintenant, okay. Toi aussi tu peux fabriquer des flèches acérées pour percer le métal humain. Mais non, mais dis pas qu'il y a un système de craft. Bah vraiment c'est pas exceptionnel quoi. Mais si, c'est dingue. Pardon. Tu es paré. Nous devons voilà. Et on peut maintenant l'achever. Voilà, allez. Ah, gueule. J'ai besoin d'une cosse de Dapophète. Bon, quoi? C'est un médicament? Bonjour, je voudrais prendre une boîte de Doliprane et une gosse de Dapophète, s'il vous plaît. Ça se vend en gélule, ça, c'est quoi? Ah non, mais je vais pas aller faire des courses pour lui, là. Dapophète. Dapophète, mais il libère... J'ai raté. Je l'ai. Ça pousse généralement près de l'eau. Il y a un lac à proximité. Vas-y, guide-moi. Allez, vois. Ouvre ta carte. Attends. Opening oh. Pièce détachée, nul. Un lac. Eh ben voilà, ah, un y a lac. De l'eau, là. Ah bah là, si t'as pas des cosses de Dapophète. Sachant que si tu ranges ton arme, tu vas plus vite. Mais ça, c'est une information. Je ne sais pas comment on range ton arme. Ok, ne la range pas, alors. Il doit bien y avoir une touche. Oh là. Oh. C'est des humains. Ouais, c'est des humains. Si tu veux tuer de l'humain, c'est maintenant. Allez, ouais. C'est ouf, il y a des combats indépendants sur le côté, quoi. Et ça, c'est des animaux qui vont pas vouloir m'attaquer parce qu'ils en veulent que aux hommes. Ouais, parce agressifs. Que. Après, il y a une pastille rouge au-dessus d'eux, mais bon. Je suis votre ami. Oh, et White. Bon, l'esprit de la forêt, mon cul. Le trauma crânien de la part d'Ewa, là. Bon bah, d'accord. Bon, je pense suffira d'aller au lac et de prendre une cosse, hein, ça suffira, je pense. Bah, en espérant que c'est ce lac-là, hein. Ça pousse près des lacs. Normalement, peu importe le lac. Ok, et là, esprit de la forêt. Là, ouais, donc là, ça va pas tarder. Ce n'est pas une cosse. Y'a pas de cosse là? Si. Ah, attends, fais voir. J'ai cru en. Retourne ta tête. Là, ça.
À gauche. Ça là ? Non, à gauche, les feuilles roses là. Ça ? Non, à gauche. Ça, c'est ça. Pas une cosse ? Mais ça va pas, mon pauvre vieux. Bah merde alors ! C'est un typhus. Mais bah, c'est con parce qu'on avait l'image tout à l'heure de la cosse de mon cul. Ça se trouve, sur la carte, ça c'est indiqué la cosse. Il y avait l'image. Va dans le journal. Ah, c'est fou. J, mais... comme journal. C'est fou, non. Mais on va vraiment ouvrir le journal, quoi. C'est la première fois dans l'histoire du jeu vidéo. Pourtant, j'ai le journal. Et là, connaissance sur le monde. Ouais. Allez, on va aller se faire foutre. Mais tout à l'heure, il y avait une fiche, putain, je suis dégoûté. Ah, attends, putain. Oh non, il y avait. Base. Ah, ah, ah. Cuisine artisanat. Monde. Guide des chasseurs. Monde. Carte. Carte. Oh putain, je suis dégoûté. La cosse, putain. Je suis dégoûté. Tape. La tutelle des ambassadeurs. C'était pas la troupe armée de Pandora. C'était la tutelle des ambassadeurs partenaires. C'est moins bien. J'ai pas peur de le dire, c'est moins bien. Cosse de Dapophète près des lacs. Bah ils nous ont bien niqué. Ça. Mais oui. Allez, hey, ouah. Mais oui, regarde. Voilà. Ah, une algue forestière. Mais... c'est pas exactement ce qu'on cherche, hein. Vous m'emmerdez ? Oh là, 100%. Ah, ça là. Ça, ouais. Ça, c'est joli, ça. Oh, t'as fait fuir les... Ouais, ouais, vas-y, dans le cul. Ouais. Ouais. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, salaud. Ah, c'est pas satisfaisant. Il a pas tué les animaux. Elle est où, ma cosse ? Il y avait une cosse, ouais. Ah. C'est pas une cosse. Mais c'est quoi ? C'est un bourgeon brumeux. Oh là, il y en a des trucs en plus, hein. Mais il y a pas ton truc. Qu'est-ce que... quelqu'un sait quoi, où je... c'était près des humains. Cosse. Allez, retourne là où il y avait le combat, peut-être. Le combat, là-bas. Bah, mais ouais. T'as vu des monstres ? Oh, pas trop près, mais... T'enquête. Non. Il y a un lac. Elle pousse généralement près de l'eau. Il y a un lac. Ça peut être que là. On va pas me faire croire que... ah non, alors là, si c'est pas là, je mange mon chapeau. C'est un jeu de chasseur-cueilleur, du coup. Ouais, oui, ils font peur un peu, hein. Est-ce qu'ils ont une cause de... wow, ta... tu dois pouvoir faire des armures de ouf avec ça. Mais je pense qu'ils ont de la vie, hein. Attends, elle me cherche pas là. Bah, je m'en fous, je suis sur un tronc. Non, j'ai vu ça dans le film, il faut juste en faire peur. Si tu montres que t'as pas peur, ils te chargent pas. Ils sont en rouge et ils approchent. Recule un tout petit peu. T'as pas besoin, regarde. Oh, ok, bon. Pas besoin. Mais la cosse... eh, il est tellement puissant qu'il a fait grésiller le jeu. Oh, c'est quoi ça? Regarde. Une citrouille. Ah, c'est dommage. Peut-être en tirant dessus, ouais. Ouais. Oh, j'ai cru que c'était comme dans Half-Life, les trucs qui te bouffent. Ouais, la tête. Je sais pas comment ça s'appelle. Par contre, je peux... putain, où est-ce que vous avez vu des cosses? C'est du parcours, c'est littéralement du parcours. Ah, c'est pas les gros cosse. Trucs à gauche là? C'est quoi ça? Une cosse. C'est un bourgeon machin. Ça là. Et ça. Cosse Dapophète. De Dapophète. Oh putain. On y est. Oh miam miam miam, oui. Je peux plus. Votre sacoche est... non. Oh bah attends. On n'est pas venu là pour en prendre deux, je suis dégoûté. Alors W, je suis en QWERTY. Ça te fait rien en tout cas. Donc ma vie doit être pleine. Allez, ça coûte pas clair, ouais, dans la gueule. Voilà. Si ça peut lui donner... ils sont là ? Non, ça lui donne juste envie de te niquer. J'ai trouvé le Dapophète. Je reviens. Il y avait plus de soldats. Et donc ? Ok, Solek. Waouh ! Que c'est que cette histoire ? À tes risques et périls, je pense. Ah, ah, qu'est-ce que... tire qu'est-ce doucement. Que... alors, aïe, 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 aïe. Oh, t'es l'OHP quoi, c'est...
Hop, cause de Dapofet. Il en reste beaucoup du coup. C'est pour le sauver, c'est ça? Ouais. Hop, j'ai réussi à ranger mon arc. Nickel. Oh non. Ah. Non. Il ne se laissera pas capturer vivant. Petite flèche dans le dos là. Moi je pense à... Ah oh. Oh dans alors, la tête. Tu vois les deux bonbonnes de gaz à l'arrière, à mon avis. Ouais. Ça là. Ouais. Dead. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont vraiment rien à foutre de ce que tu viens de faire. Ils ont leurs potes. Il leur manque un. Ouais. Je veux plus t'entendre, compris ? Il te reste deux flèches. Une pour chacun. Tu n'as plus qu'une flèche pour celui-là. C'est vrai ou pas ? Oui. Il est mort. C'est... Oh là là là, c'est magnifique. T'as vu, t'es à zéro, hein. C'est. Ça ressemble, ça aurait pu être une scène du film en fait. Faut la proposer au réalisateur, c'est trop grave. C'est comme ça qu'on se soigne. C'est un cigare le truc. Ah. Oh, il est bon. Ouais. Oh putain, ça c'est quoi, Cubain 20 ans. Oh la vache. Ah, donc ça, t'as vu, t'es vraiment l'épaule déboîtée. Ah ouais, c'était juste un anesthésiant ou il s'est juste drogué quoi. Tu n'as pas de collier de vie. J'avais celui de ma mère. Et toi, t'as pas de 5 mais doigts. Ils me l'ont volé. Je t'en dis des on trucs. On doit corriger ça. T'es habillé comme un clochard, je te l'ai dit ou pas? Attends. Et je fais quoi maintenant? Faire. Tu dois redécouvrir tes racines, Sarento. Et avant tout, rejoindre la résistance, mais prends garde. Ces humains partagent nos ennemis, mais nous sommes différents. Non, non, non. Ils sont trop proches. Va, je te retrouverai au camp vers la cascade. Et maintenant ? Bah, je dois découvrir mes racines. Bon bah. Bah. Petite balade. Je fais un prélèvement salivaire, j'envoie un test ADN, on attend 3 mois. Oh, je peux. Ouais, ça c'est un peu humain je trouve. Ouais, c'est trop humain. C'est un peu l'autre, il était son, ça, style, son style était pas mal, tu vois. Ça me dégoûte. Ah, t'as la tête bien gonflée quand même. Hein. Ah bah. Oh, la piqûre de moustique de Pandora là. T'es allergique non, à Pandora ou... au Dapofet. Il se trouve au sommet de la cascade. Trouve un moyen d'aller. Escalader les falaises à droite de la cascade. Tu vois de quelle cascade on parle? Celle-ci? Je la voyais pas. Alors après, tu sais, ici, c'est une cascade, c'est plus ou moins des pixels, quoi. C'est... Oh, faut que je mange. Je ne sais pas quoi manger dans... Qu'est-ce que ça mange dans la vie? Eh ouais, t'aurais pas dû manger tes deux sandwichs. C'est peut-être des œufs, ça? C'est un truc qui se mange, j'en suis sûr. Dans l'arbre, il y a un truc. Ouais. Ah ouais. Là, ça, attends. Ça, oh là. Le gourmand, oh le gourmand. Il va se régaler. Ça, c'est, ça se mange, ça. Un fruit à coque. Putain, je peux manger? Ça se mange comme ça ou faut faire une recette avec? Peut-être qu'il faut cuisiner. Tu rigoles ou quoi? Je te bouffe ça comme ça, là. Putain, franchement, tout ce qu'il faut faire. C'est tout? Ah ouais, là, ça t'a pas... Ah, va falloir que je bouffe beaucoup plus de fruits à coque. Bah va découvrir tes racines. Ça se grimpe ça non? Fini les sandwichs de la blanc base là. De la résistance doit être là-haut. On grimpe pas. Ah. Oh. Oh. Bah ils sont mignons, comment je grimpe? Parcours. Bah oui, parcours quoi? Parcours rien du tout, tu vas te suicider là. Attends. Y'a pas d'autres trucs des fruits suceurs là, des trucs qui font grimper là. Ouais, les plantes suceuses. Des langues de pute, comment on fait pour les agripper là, y'en a pas hein. Les fameuses langues de pute de Pandora là, y'en a une là. Ça ouais mais elle est pas à déployer. Et si tu tapes dessus, avec ta flèche inexistante? Pas de soucis, je fabrique flèche. Ah. Sors langue. Nickel. Suceuse.
Bah, je pense que c'est comme ça, hein. Ouais, ouais, ça a l'air bien, là. Ah, ça, c'est... Ouais, t'as vu ? Comme dans le film ! Ouais ! C'est dingue, non ? J'ai la rêve. Dans le film aussi, tu le touches ! Est-ce qu'on pourra aller sous l'eau comme dans le film aussi, dans le 2 ? Est-ce que... Tu peux courir sur les parois ? Non, arrête. Oh, tu peux faire un saut chargé. Tu vas tomber. Oh, vrai gamer. Voilà ton diplôme de gamer. Si jamais je savais ranger mon arme. Bon, je te retire ton diplôme de gamer. Qu'est-ce que... Oh putain. Faites gaffe, vous. De la belle cascade, ça. Oh. Ah, il veut tirer sur tout ce qui bouge. Oh putain, il y a de la chance. Un campement. Il n'y a pas de la bouffe, j'ai très faim. 2-3 cigares. Ah bon ? Oh non, il n'y a pas. Oh dommage. J'ai plus de quête là. Bah t'as trouvé le QG donc je crois que... Oh ouais le dapo fait là, on va se mettre bien. Putain je peux en prendre que deux, c'est abusé non? Ouais. Faut une sacoche. Ah. Salut. Non. Bon. Qu'est-ce que vous étudiez? Bon je marche sur vos plantes hein, c'est bon. C'est chez moi ici de toute façon. Quelqu'un a une idée de mes racines? Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? C'est la guerre, c'est le bordel, et lui et toi tu veux juste savoir tes racines quoi. C'est pas le moment. Je n'entends pas ce que tu dis. Nous sommes séparés par une porte. On n'entend rien du tout, Priya. Petite barre de céréales pendant le film. Ah, genre, c'est le moment film, je devrais... J'ai pas l'habitude de que ce soit pas moi qui joue, j'ai... J'aimerais trop aller chercher de la bouffe et m'allonger, là. Ah non, pardon, c'est pas manger. Jean pense avoir compris comment régler ça. C'est fou, une nouvelle recrue. Je suis trop contente de te voir, parce que bon, vous n'êtes plus très nombreux. Oh pardon, je suis désolée. Bienvenue au QG de la Résistance. J'ai comme, j'ai comme une idée du personnage qu'ils ont voulu faire, là. Je sais. Ouais. Je sais pas pourquoi je... Camille. Ouais, je vois, ok. C'est la geek un peu fan des navis, qui aurait voulu être une navie, qui est un peu surexcitée, un peu crazy. Elle est gentille, mais un peu loufoque. Ouais. Je suis un peu fofolle. Allez, toi t'as de la chance que j'ai pas mon arc parce que putain. Enlevez au moins mon arc. Ça s'est bien passé. Il t'aime bien. Arrête de lui mettre ton sens navie sur elle. Là. C'est pas un X-ray, dommage. Je suis si content de te voir. Ouais, t'es on a entendu les tirs et Alma nous a dit de nous enfuir. Tu vas bien? Plus ou moins. Solek m'a sauvé. Où sont les autres? Riknella et Nor sont sains et saufs. Mais ils ont voulu rester dehors. Ils ne devraient pas. C'est pas dangereux? Ne t'inquiète pas, vous êtes en sécurité. C'est le principal. Qu'est-ce qui s'est passé? La tape est en ruine. Mercer a ordonné sa destruction quand on l'a évacué. J'ai vu les murs s'effondrer. Priya a entendu... Putain, elle s'est arrêtée de parler d'un coup. Ouais, ça doit être dans le scénario. 16 ans. Ça paraît trop bizarre. Ouais, je... 16 ans je Ah non, 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 alors non. Je ne sais pas quoi en penser. Alma, moi non. C'est non. Nous pouvons vivre ici. Je le sens. C'est plutôt cool, non? On a plein de matos. C'est un joli petit campement, ouais. Oh, donnez-moi une armure. On veut changer le t-shirt. Je vais prendre celle-ci. Il est elle est bien. Avec le pagne. Je crois que les gens commencent à s'habituer à notre présence. Ouais, ouais, ouais. Vous devez être Raj. Non, c'est Rajinder. Oh, le chien. Oh. Rajinder, qu'est-ce que c'est que ce prénom? Tu as besoin d'une nouvelle tenue? Oui, alors, par contre, j'ai 1€. Vous pouvez me faire un cadeau? Eh, hey, on le négocie. Vous me le faites à 1 et je vous trouve un nouveau turban. Alors, je suis un peu dégoûté parce que le seul cadeau qu'il m'a fait, c'est ça. Hein.
Ah, t'as eu ça quand même. Ouais, mais tu voilà. Vois, c'est bien, c'est moins blanc. Non, j'aime bien. Ouais. Ouais, c'est quand même très. Donc tu penses que j'ai un baltrou juste ici. Ouais, voilà, faut la soulever. Et devant. Ouais, non, t'as un slibar derrière ça. Ouais, j'ai un slip sous le truc. Ouais. C'est bien plat quand même. Hein. Mm. Mais de toute façon, j'ai vu le film, ils se reproduisent avec ça. Hein. Donc je pense que devant, y'a rien. Hein. Ah ouais, j'ai oublié ce détail. Ils se reproduisent avec ce truc là. Avec la queue. Ouais, avec la queue, ils fusionnent là. Il y a le froufrou là, ils fusionnent et ils se frottent en fait. Ah ouais. C'est beaucoup moins stylé, genre. Vous. Je peux vous donner quelque chose en échange? C'est gratuit. Pour c'est avec part. Les cheveux. Ah, par contre, c'est avec la tresse. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est là au bout de la queue. Ça là. C'est étrange, non? Je crois que ça se trouve, ils font pipi par ici aussi. Hein. Je veux garder ma casquette. C'est vraiment dans la tresse. Et d'autres trucs. Et tester cette technologie. Ah oui, c'est vrai, non, t'as raison, c'est la tresse. C'est nul de faire l'amour avec ses cheveux. Tu as vite pris tes marques. Du coup, si tu coupes. Ouais, si tu coupes la tresse d'un avis, c'est l'équivalent mais... de... Pardon, juste une seconde. Bah, eunuque. Voilà. Tu veux te troquer? Tu as besoin d'une nouvelle tenue? Petite ristourne? Ouais, non, je crois qu'il aura pas envie. J'ai toujours pas d'argent, monsieur. Hein. Prends soin de toi. Vous voulez de l'argent? Alors, et pourtant des belles tenues. Hein. Suivre Thailand. Des vêtements. Pardon. Navi. Ils sont étranges, non? Yeah. Oh bah, faut faire le plein, là. Hein. Je veux garder ma casquette et d'autres trucs et tester cette technologie. Vous êtes plusieurs à m'énerver dans ce labo. Bah, dis donc, tu vas pas être énervant toi aussi. Et t'es venu avec un autre Navi. Alex est notre bricoleur. Il fabrique des machines pour la communication, l'exploration. Est-ce qu'il fait des mitrailleuses? Si mes réglages sont bons. Tu vois pas ça? Pas la peine de rigoler comme Marcy. C'est mon CID. Le système d'investigation des données. Pourquoi tu essaies d'être Omar Sy? Il est plutôt cool, hein. T'es pas aussi cool que lui, arrête. T'es pas lui. Mais il y connaît rien. J'ai fabriqué ça en pensant au Navi. Pour qu'il puisse exploiter les technos de la RDA. Je l'ai fait à partir de plusieurs objets. C'est un pistolet de brocante, ça. Hein. Ouais, c'est pourquoi le truc il tourne. Oui, mais on peut l'enlever ou peindre par-dessus, si tu préfères. J'ai demandé plusieurs fois à Alma de l'essayer. Mais on peut le tester, nous. Non? Ça fait quoi si t'appuies sur espace? Ce serait amusant. Rien de spécial. Bon, ça tombe bien, ils ont fini de parler. On n'a rien fait. Non. Rien du tout. Appuie sur parenthèse pour équiper le site. Tiens, jette un coup d'œil. Oh! Prends bien soin de toi. J'espère qu'il va pouvoir repérer. Flingue-les tous! C'est pas une arme. C'est pas une arme, c'est un scanner de merde. Oh non! Oh dégoûté! Regarde. Oh dégoûté! Putain, non mais franchement! J'ai que ça à foutre! C'est un pistolet d'électricien en gros quoi! Je devrais peut-être profiter de cette accalmie pour travailler sur de nouvelles technologies. Bon après tu vas être incollable en électricité quoi. Très clairement, ça fait quand même envie. Ah, c'est top ça! Regarde! Ah! Revenir à la source. Bah je l'ai là! Maintenez. T'as vu le tuto à gauche? Non. Maintenez clic gauche, A et E pour trouver la bonne fréquence. Ah, c'était peut-être là-bas finalement. Ah! Enfin, je sais pas. Je pense, ouais. Peut-être qu'Atoufi m'apprendra à créer quelques remèdes. Ouais. Pas une manière de se tenir, ouais. Ça. C'est suggéré. Ah, je pense que c'était là-bas et après c'était petit à petit. Donc toi. Tu veux un truc là. Ouais. J'aurais dû demander à Dany de m'apprendre. Et là. Voilà la bonne fréquence. Aussi une panne en haut. Bah, je vais aller régler vos fréquences. J'aurais préféré un pistolet mitrailleur, mais enfin. Pour l'instant, t'es électricien. Facile. C'est du gâteau. Non. Ah non, gâteau, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu vas pas tout casser. Ouais, c'est ça, tu vas le faire à chaque. Autant pour moi. Nickel, t'as faim hein. Ouais je sais, je crève la dalle. Et personne va te nourrir, tu vas crever ici. Alex, j'ai trouvé la panne je crois. Un petit piratage et le système se réinitialisera. Tu peux le faire? Avec ça? Mais non.
Vous voulez que je pirate avec quoi? Dites-le moi. Ça marche. Qu'est-ce que vous voulez que ça marche bof hein. Ah. Ah. Oh. Oh putain, je... Oh. Hey. Ah, je m'y connais. Attention au cerveau. Attention à pas se cramer le cerveau dessus. Ok. Je crois que c'est bon. C'était un labyrinthe pour les enfants de 3 ans. Hein. Et où? Ah, pardon. Ça, c'est notre avenir. Je dois dire que j'ai hâte de savoir ce que tu en feras. Bonjour, je peux buter tout le monde. Ça fait plaisir de voir qu'il peut être utile. Mais je t'ai donné assez d'instructions. Alma est en train de réunir tout le monde. Tes amis sont toujours dehors, il me semble. D'accord. Ils ne s'en sortiront pas comme ça. Concernant la dame qui vend des armes à feu. Quand est-ce qu'on bute tout le monde? Vous pouvez tiens, me vendre une arme à feu d'œil. Mais j'ai un coup d'œil, mais j'ai pas d'argent, connasse. 10 balles la mitrailleuse. C'est abusé les prix. Tu te fous de ma gueule. Prends bien soin de toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Arrête de me regarder comme ça. C'était hyper suggestif. Prends bien soin de toi, hein. Oh, ça des c'est grenades. Gratuit. Alors ça à c'était moi. Gratuit par contre. Fouille. Attends, ça se trouve c'est de l'eau. Hein. T'as une caisse à fouiller à droite. Il y a une énorme mitrailleuse dedans. Je suis dégoûté. Avec ton arc de clochard que t'as fait avec bon. Une branche. Oh bah il pleut. Super. Génial. Oh on peut faire gruire un... Qu'est-ce que... Oh. Ah mais j'ai rien, j'ai oh, rien à cuire. Envie. Ça donne envie de faire un vrai petit plat sur le barbecue. Bah ouais regarde là. Les bonnes grillades que tu te fais avec des champignons là. Oh on va faire une petite cueillette. Ah non, j'espère que la pluie ça fait pas grésiller, sinon je vais péter un plomb. Pourquoi ça ferait grésiller? Parce qu'en gros, quand j'ai l'impression que quand le jeu est un peu demandant en ressources, ça se met à grésiller. Genre là, tu vois, par exemple, il kiffe pas. Tu peux demander... Oh, il risque de pleuvoir longtemps, là, t'es au courant. Ouais. Ah, attends. Ça va. C'est bon. On est sauvés. J'ai l'impression que c'est sur certaines transitions. Là, ça va. Tu crois que c'est là mon objectif? Vu comment ça brille? C'est... Ça a l'air intéressant. Retrouver les Sarantus à l'extérieur du quartier général. Ils se sont abrités près d'un feu, dans une petite caverne sous le bâtiment. Ah ouais, mais je vois bien, ils sont là. C'est carrément eux. Oh bah je vous ai trouvé. Alors? Voilà. Bah gueule pas. Sensation de la brise sur la peau. Le goût sucré de l'air. S'en bat les couilles, Baudelaire, là. Le bonheur de ne plus qu'est-ce entendre. Ouais. T'as râlé le poème. Allez. Tu donnes ta bouffe. Allez, donnez-moi une mitrailleuse. Oh, le champi farci aux œufs. Oh putain. Ça, c'est un délice. Y'a quoi d'autre à voler? C'est quoi ça? La cache est vide. Comment ça, la cache est vide? Dans une boîte en métal. Radin. Au moins ce soir, nous dormirons sous les étoiles. Eh, les poètes maudits là. Où sont les mitrailleuses? Putain, je veux grenade, lance-roquette, mitrailleuse lourde. Oui, ça me réclame une mitrailleuse. Oh. Amélioration de l'arc en mitrailleuse. Ça c'est un chargeur. Assister au briefing dans le centre de commandement. Oh. Oh bah ça c'est bien. Quelque chose me dit que le briefing va pas durer longtemps. C'était pas là. Dans le centre de commandement, je dirais que... C'est pas là, ça, le centre de commandement. Ça doit quand même être là, non? Oh. J'aurais dû demander à Danny de m'apprendre. Ça doit être là, quand même. On s'est fait baiser. On s'est peut-être fait baiser. C'est pas ici. Tout droit en face de la porte. Pas tout droit là? Ah, le commentaire ne dit pas. Bon. Tout droit en face de la porte. Oh. Ah mais ça on sait pas ce que c'est. Alors, là techniquement, je rentre dans le bâtiment, je vais tout droit. J'ai comme un doute. Tout droit, en face de la porte. Briefing. Regarde là. C'est peut-être là où il y a écrit commandement sur un panneau. Peut-être que c'était ça. John Mercer. Fondat. Prudence. Je vous spoil pas comme ça, vous avez vous achetez le jeu avec le lien et vous découvrez l'histoire. Toujours. Il y a des neutraliser la tour pneumatique écho, mais bien sûr. Où? Mec, rien écouté. Bah du pourquoi coup, j'ai pas suivi de bref. Quelqu'un peut me... Ok, je sors alors. Moi, je pense qu'elle est à l'extérieur, cette vilaine tour. Ok, alright.
Il pleut encore. Ça va, ton partage s'est habitué à la pluie. Le problème c'est que elle est où la tour pneumatique écho? Elle est au point jaune. C'est vrai. Je suis où par rapport à la tour pneumatique écho? C'est techniquement c'est en face, non? Ils te le mettent pas en face de toi. Oh, ça doit être par là. Oh le petit singe. Si je regarde par rapport à la carte, je suis dirigé quand même ça. Vachement dans la bonne direction là. Ah ouais, c'est ça. Oh, elle était si belle notre petite forêt là, pourquoi elle est toute moche c'est là, cool. Attends. Oh là, attends. A... Ça va te péter à la gueule là. Ça va te péter à la tronche. Ah non, hein. ça Ouah. Ah c'est vert, c'est toxique hein. Quand tu connais pas Pandora, forcément. C'est vrai que j'ai choisi le mode exploration pour pas qu'on me casse les couilles. Ah oui, c'est je vrai. Je me rends compte que moi-même. C'est vrai que des fois, on sent que t'es pas guidé et je suis sûr que c'est parce qu'il manque des petits conseils. Ah, oh, tu passes par les airs. Oh, tu y es presque là. Ouais, mais la tour pneumatique. Qu'est-ce qu'une tour pneumatique ? Pas levé Ah non, bah non. Un champi pourpre. Ouais, mais c'était un champi. T'imagines ouais, mais bien cuisiné. Ouais, voilà, bien cuisiné, c'est plus. Lance une grenade pour voir ce que ça fait. Ouais, oh, il a pas attendu une seconde. Il avait trop envie de le faire. Attends, c'est quoi ça Mais tu les gâches. Ah putain, non là, elle palier là-bas là. Ah, t'as de la chance, ouais, il a pas résisté le petit. Ah, c'est ça là. C'est peut-être ça qui fait ce bruit là. Ça fait un boucan d'enfer. Priya, je suis près du site de forage. Le sol ici est. A mon avis, tu vas détruire la tour pneumatique et toute la forêt va redevenir jolie et tout. Mais alors, à mon avis, cette tour pneumatique est gardée par les saloperies de blanc. Mais non, par des robots et tout, ouais. Précisément les points, ouais, t'as les points qui sont visibles. Allez, ouais. Ça me fait penser au robot dans Scum. Voilà. Scum les a pas inventés. C'est juste des mécas. Il parle à quelqu'un ou juste. Non, il non parle à la plante. Bon, alors dans ce cas-là, voilà. Ouah, c'est violent hein. Putain, non mais attends, t'as vu la taille des flèches aussi? C'est la taille sympa d'accord. Hein. Oh non, son point faible est inaccessible. Comment tu vas faire? Je vais attirer leur attention en utilisant une explosion ici. Oh putain. Ouah, c'est une belle explosion quand même. Alors là, ils sont tous en alerte, donc. Ah, mais il était vierge, c'est pour ça qu'il y avait personne! Ah, tu crois que tu pouvais le prendre? Ça se non, trouve, oui! C'est pour les humains, non? Tu sais, je te jure, ça se voit que je pouvais le prendre! Putain, ça aurait été trop stylé! Pas mal la diversion! Ah, putain! Putain, merde! Ah, bah non, quoi! C'était trop grand pour rentrer dans le bousin! Bah, normalement, ouais, mais. Bam! Patate! Et là? Ah, dommage! Oh, oh! Ah, c'est dommage! Ça aurait été tentant! Petit passage méca là! Oh! Nice shot! 20 secondes! Merci! C'est un petit commentaire agréable! Renfort quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ah! Le pistolet! Ah, ouais! Attention! Un labyrinthe ultra compliqué après! Ta gueule! Oh putain, merde, comment je vais faire? Oh putain, attention! Oh, bien joué! Ok, RS! Quoi, y'en a encore? Y'a des renforts là? Mais j'ai hacké! Mais t'as fait la tour! Y'a pas un autre. Détruire générateur, qu'est-ce que. Y'a pas un autre. Ah c'est ouais, quoi là. Ça ouais, c'est un générateur ça. Ah bon? Tu peux le détruire avec les grenades que tu as utilisées? Ah, saloperie de générateur! Putain, je vais te détruire! Tout ce que tu mérites! Comment je fais? J'avoue.
Oh, trop chiant, les renforts là. Ça va, je suis. Oui, après, ils affrontent. Ok, ils sont en alerte, mais. Comment tu détruirais ça? Oh! Putain, quand... je sais plus comment construire des armes. Ouais. C'est quoi ça? Oh, tu peux faire des. Des trucs empoisonnés là? Ouais, attends. Flèche à grenade! Sur le générateur! Ouais! Ça. Ah, si, ça déconne! Ah, si. Regarde! Si, ça a marché! Excellent! Ouais, c'est bon! Ouais, il est fait! C'est bon, je le vois! Pirater et détruire l'unité de refroidissement! Putain, il vise bien, l'enfoiré! C'est ça? Je veux pirater! Ça doit être ça, ouais! Ah, ouais! Oh bah alors attends, on va pirater à l'ancienne. Alors, hop. J'ai eu la petite idée sur le piratage, ouais. Hop, piratage. Pirated. Les ventilations d'urgence. Eh ben. Oh la petite glissade et tout. On est où là? C'est un décollage d'une fusée? Ouais, qu'est-ce qui se passe passé là? T'as les. Des ventilations d'urgence. Oula. Ouais. Ouais, excellent. Il y a des gens qui ont passé des mois à construire ça. Visiblement, t'en as rien à foutre. Et voilà, la nature reprend ses droits. C'est une belle morale. Vous aussi sortez dehors et allez faire exploser des constructions. Ouais. Et genre là, ça veut dire qu'ils ont pas du gros stuff. Ouais, une récompense au moins, un truc. Ouais, des trucs. Parce que la qualité de l'air, c'est bien, on est content. Ouais, je suis content qu'il y ait des biches là, mais. Est-ce qu'il y a pas mieux quand même? Parce que moi, j'ai mon petit côté capitaliste humain qui est en moi là. On peut être écolo et complètement capitaliste, hein, attends. Les deux sont pas incompatibles, vous savez. Ah, ils sont gentils de te donner des bâtons, mais. Ouais, non, mais putain, je suis pas le roi des clochards. Qu'est-ce qu'il me parle de papillon? Il n'y a pas de papillon. Lui, il est complètement perché avec ses papillons. Hein. Qu'est-ce qu'il veut là? Au nord-ouest de la tour. Tige cloche. Là-bas, il y a des papillons. C'est des papillons ça? Oh la mission. Et lui, il y a des papillons. Vas-y. Ah, je déteste les amoureux de la nature. Oh, c'est joli. Oh oui. Moi, j'aime beaucoup communier avec le vivant. Je suis comme un coup de stress. À cause de moi. C'est ce que t'as dit. Oh, c'est beau. J'ai la ref, ça. Oh, c'est superbe. Toi aussi, on connaît, tu t'es jeté des trucs comme ça? Ça? Non. Ouais. C'est quoi? Non, mais pas ceux-là précisément, tu sais. On appelle ça des hélicoptères, là. J'ai pas eu de jeunesse. Mais si, je sais pas ce que c'est un genre de feuille sèche, il y a une graine à l'extrémité, et quand tu la lances en l'air, elle pivote comme ça, elle tourne comme un hélicoptère. Ah ouais, si, les hélicos là, ouais. D'ailleurs, c'est une dinguerie que la nature, elle a inventé un hélicoptère pour qu'il plane au loin. Bon, c'est pas exactement un hélicoptère, mais c'est vrai que ça... C'est vrai que c'est le même principe, c'est vrai. Alors tiens, je peux pas te dire ça parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas de moteur ni d'engin qui permettrait d'aller dans le ciel. Si je te mets un hélicoptère à côté, ça n'a quand même rien à voir. Tu regardes, ça c'est une feuille d'érable, ça c'est un hélicoptère, tu vois bien que ça n'a rien à voir. C'est bien d'être un rêveur, mais ça n'a rien à voir. C'est pour que la graine puisse se planter au loin, sans déconner. Ah, il est con lui. Tout le monde lui est tombé dessus, connard, mec. Il croit que c'est pourquoi, connard. C'est pour que ce soit rigolo. Oui, le jeu est très beau, c'est bon, j'ai compris. On peut parler des feuilles d'érable.
de notre belle terre. Vite, dépêche-toi. Allez, on prend tous un gros cigare et on regarde les papillons. Cette fleur s'ouvre uniquement pour les Sarentu. Ils se connectent à Ewa. Après tant d'années. Ewa, j'en ai tellement rêvé. Vous êtes sûr qu'on doit faire ça? Ça m'a l'air bizarre. C'est parce que t'en as jamais vu avant. Pandora n'est pas faite. Allez, de on va tous connecter nos queues à la grosse plante rose. Mais... Allez les gars, sortez tous vos queues. Être toxique. Enfin, je veux dire, cette couleur, ça doit vouloir dire que c'est toxique. Ewa ne nous fait. Allez, arrête d'hésiter, mais hésite ta queue, mec. On va se connecter ensemble, d'accord? Oh bah c'est ce qu'ils vont faire. Bah oui. Allez. Allez, tous en même temps. C'est exactement ce qu'ils font. Est-ce que tu peux venir plus vite que les autres? Chacun son rythme avec Ewa. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la marque que j'ai faite. Oh, tu me reconnais, mon enfant? Je suis Entu, l'ancêtre. Oui, le quand les navires s'accouplent, c'est complètement nul, il y a un mec qui vient leur parler. Ah putain! Ah, loser! Tu es nouveau, n'est-ce pas? Bonjour, dans ce monde. Je vois que tu veux avoir un rapport sexuel. Très bien, je vais t'accompagner. Quand tu as besoin de la sagesse de tes ancêtres, et tu rayonneras. Mais avant tout, tu dois apprendre à survivre. La première fois que j'ai vu Pandora, c'est comme la première fois que j'ai regardé l'océan. J'ai vu une immense étendue. Jamais la même, toujours en mouvement. Bon, je veux jouir là, tu m'emmerdes. Tu peux laisse-moi jouir. Il fait un cours de nature, le vieux. Quand tu parles, tu me déconcentres, là, tais-toi. Oh. Oh. Ok. Le double saut. Oh, le double saut, putain. Oh là là. Eh, y en a des trucs, dis donc. Attends, c'est ce que je dois choisir, il y a plein de choses. Ah, tu choisis. Non, je crois qu'en fait, j'ai pas tout débloqué grâce là. Grâce à ce présent des ancêtres, tu atterriras tout. La mémoire des guerriers s'arrête. Oui, bon. C'est bon, je découvrirai tout seul. Ouais, je remballe, je vous dois combien? C'est notre ancêtre, un vrai Sarentu. Vous pensez qu'il sait qu'on est différent des autres Na'vi? Je ne pense pas qu'on le soit. Nous n'avons pas grandi dans un clan. Nous n'avons pas entendu nos chansons, ni nos histoires. Ouais, c'est trop des faux Na'vi, eux, là. Faut trop genre. C'est pas parce que en vous fait, êtes bleu que... entre deux chaises. Bah, ouais. Les blancs les acceptent pas, les Na'vi non plus. C'est dur. Ouais, allez hop, toi. Fin du spectacle. Vous avez des points de compétence à utiliser. D'accord. D'accord, si vous le prenez sur ce ton. Voilà, attends, mais il y a combien de sous-catégories? Survivant, guerrier. Oh. Ok. Survivant, ouais, mais j'aime bien moi tout ce qui est. Bon, on va prendre guerrier, hein. T'es un peu guerrier dans l'idée, je pense. Munitions supplémentaires, force. Non, les ennemis. Je démarquerai jamais les ennemis. J'ai plus de points. T'as plus de points, t'as tout dépensé. Ah, même au téléphone, hein, tu es très. Bien sûr, je t'en prie. Je suis en route vers le QG. Plus tard. On peut raccrocher. Oh, la vache. Oh, là. Voyage rapide. Ça, c'est bien. Ok. Ça, mais moi, j'aime me balader, mais enfin. Soit. J'ai pas à manger. J'ai si, à manger. Regarde. Ça c'est. Mais profites-en bien, c'est. Oh bah j'ai pas savouré comme il se doit. Ah, pendant 10 minutes. Je sais pas que c'est un chargement ça. Ça te donne un effet pendant 10 minutes. Oh bah faut que j'en profite vite. Mais je sais pas ce que c'est. Hardmore est furieuse. Comment tu sais? C'est pas ça que je veux parler? Ah si, c'est la folle. Regarde-moi ça. C'est. Tu vois où? Ouais. Oh, cela qu'espérait de voir aussi. Je lui ai promis de pas oublier. Dis-lui que j'ai pas oublié. La ferraille peut toujours être utile. Purification de l'air. T'es un vrai militant écolo, hein. Attends, j'ai de l'argent ou pas?
Ah, je pense que c'était des pièces machin là et t'en as pas ouais. récupéré. Ouais, ça me paraît que j'en ai. Il est dans la salle de maintenance. Ça se trouve, je suis sorti pour rien. Ah ouais, ouais, ça doit être, ouais. Ah putain, ouais, il est dedans, c'est sûr. En plus, à chaque fois que tu sors, tu fais grésiller, quel dommage. Maintenant, toi, Solek, tu as assuré là-bas. Ouais. La sortie arrière. Ah, vous aurez l'exclusivité des dialogues. Hein. Vous avez de la chance. Hein. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut courir comme ça, lui? Il est fou. Bah, t'étais pas si précis que ça, finalement. Ouais, puis, mais finalement, non. L'ennemi n'arrête pas de s'étendre. Les clans doivent en être informés. Ah, mais moi. Vous me guidez pas, mais d'accord. Ah, il regrette de pas trop être guidé, hein. Non, c'est bon, je sors. Non, mais tu vois ce que tu voulais éviter. Tu voulais éviter, t'es en train de faire une énigme et on te dit. Ah, ce serait malin que j'aille oui, voir là-bas. Je voulais dégager Atreus, en gros. Ouais. Les activités de la RDA ravagent la flore locale. On doit faire quelque chose. Attends, maintenant on doit sauver les fleurs. Mais. J'aime. Communier avec le vivant. J'ai un aft et chaque fois que je te parle, j'ai mal. Chaque fois que je te parle, c'est un effort. Après, les deux sont pas liés, hein. Non, deux. Où es-tu ? Ouais, le fait d'avoir mal quand tu me parles. Voilà, j'ai très mal. Qu'est-ce que tu... Enquêter à l'extérieur du secteur de recherche dans le QG de résistance. Ça veut dire que t'es un peu re-rentré là. Bah ouais, mais. Ah, ils veulent que j'enquête dehors là. Je pense que tu te barres là. Une cadence de 600 balles par minute. Ok, je suis dans la zone. Ok, j'enquête. Faut que j'enquête sur les fleurs et les cailloux là. De recherche dans le QG de la résistance. Moi je veux buter des robots géants. C'est-à-dire d'enquêter. Préciser. De quelle manière? C'est large. Puis en plus, je suis même plus dans la zone là. Ah, c'est ça là. À l'extérieur du secteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À l'extérieur du secteur de charge, dans le QG. C'est là où c'est. Ah non, c'est bon. Ok. Alors. C'est excellent. Nor a quitté le QG. Il est clairement passé par là. Une cosse éclatée. Il a dû la toucher. L'odeur. Bien sûr. Je dois la suivre. Ouais, je suis un clébard. L'odeur qui pue là, hop là. Ouais. Ok, hein, on va suivre l'odeur. Parfait. On suit l'odeur d'honneur qui s'est pas lavé depuis deux semaines. Une chance. Priya, tu m'entends? Je cherchais Nord près des falaises, mais j'ai perdu sa trace. On dirait qu'il a traversé une rivière. Je suis sûr qu'il est pas bien loin. Peut-être qu'il voulait juste explorer un peu? Peut-être. Je vais continuer de grimper. Je sais pas où il est, moi, Nord. Nord. Il a peut-être escaladé la falaise près des chutes tapisseries. Ouais. T'avais un truc à tes pieds, là? À mes pieds? Ah. Un pour ça faire toujours de la bouffe. Ouais. Il a peut-être escaladé la falaise près des chutes. C'est-à-dire. Tu veux dire que là, là. Parce que là, il y a. Oh, un passage secret derrière la cascade. Et une cache d'armes. Je vous dois. Un lance-roquette derrière la cascade. Putain. Non, non. Oh. Non, c'est honteux. Oh. Pas ça. Pas ça. Il est mort pour rien. Ah ouais. Il a peut-être escaladé la falaise près des chutes. Bah, en vrai, là, t'es sur la falaise près des chutes tapisseries. Ah, ouais, non. Donc, les plutôt nord-est. C'est ça, du coup, là. C'était un peu loin des chutes tapisseries, là, j'ai l'impression. Ouais, mais ça me fait revenir en arrière. Ouais. Il a peut-être escaladé la falaise. Mais là, t'es pas aux chutes tapisseries, je pense. Là, je suis pas au fût de tapisserie. Attends, elle est où ta flèche? Ah, okay, la verte. Je voyais pas ta flèche.
Ouais, après, tu vois, tu es pas tout à fait. Mais le truc, c'est que je reviens dans la base. Bah, au chute tapisserie, quoi. Mais d'après la map, la chute tapisserie, c'est dans la base. Ça n'a aucun sens. Derrière la base. Regarde. Chute tapisserie, ouais. Là. Ou alors, c'est là. Ouais, tu sais, un truc un peu plus par là. En soi, ouais, j'en sais rien. Ah, mais comment je grimpe jusqu'ici, moi? Avec ton nouveau double saut. Ah, ça fait une sacrée distance, là. Ouais. Je sais pas, on est baisé. Bah, on est bien baisé, là. Comme Nord. En plus, j'avais sa trace qui était là-bas, donc ça n'a aucun sens. Ouais. Tu mets du dette précieuse. Suis l'odeur. Y'a pas d'odeur. Y'a pas cette odeur là, mais. Elle s'arrête, Jean. Ouais, non, mais. Ouais, elle s'arrête là. Ouais, c'est et du coup, là, je me dis. Non, mais je pense. Techniquement, faut là grimper. Où t'allais, je pense que là où t'allais, c'était bon. Bah ouais. Dans la petite caverne là. Mon instinct de gamer, il me dit d'aller par là. Ton instinct mais... a raison. Va par là. Ou par là. Là. Non mais là tu vois par là là. Là. Là je suis sûr que tu vas trouver un autre indice par là. C'est un endroit trop joli, tu vois, ils ont trop envie de t'emmener là, ouais, pour dire regarde, quoi, c'est t'as un vu chemin là. T'as vu ce qu'on a fait, c'est joli hein. Tu dois être émerveillé par ça normalement. Ouais. Là je viens un grand moment là. Regarde. Je viens un super moment là. Je continue parce que c'est encore un chemin en fait. Ouais. On me guide. C'est tout droit. C'est logique. Ouais, 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 ouais. Bon, là. Oh. Ouais, non, c'est majestueux, c'est scripté. C'est tellement scripté, c'est majestueux. Je suis en train de. Hey, ah, bah, tu vois. Tu es là? Ouais. Je crois que Nord est dans le coin. Tu pourrais. Peut-être lui parler. De ton clan. De ce qu'il ressent. Solek. 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 Trop bizarre, vraiment. Tu veux le flinguer, ça aussi? Tu as l'air inquiet. Non, c'est. Tu crois qu'ils l'ont trouvé? Non, mais c'est horrible qu'on puisse tout niquer dans le jeu. Bah, comme dans la vraie vie. C'est réaliste, on peut tout flinguer dans la nature. Solek. C'est par là, je continue. Mais ouais, bien sûr, je continue. Ouais. J'en ai rien à foutre, moi. Il s'est perché, le Nord, là. Il... Où est-ce qu'on va? Alors là, je te cache pas que je cours, je cours, je cours. Il y a encore une plante suceuse. Ah, c'est. Et je sais toujours pas si je suis sur la bonne trace, hein, mais écoute. Je pense vraiment. On continue, hein. C'est comme un joli couloir, je pense que t'es bien. C'est très impressionnant. C'est très vertical. Mais on est à 10 000 mètres là. Eh, on n'a pas fait des îles flottantes. Ça me donne faim. Mais je parle pas de. Je parle pas du repas du coup. C'est je parle littéralement bon, de ce que tu dis là. Elle est la crème anglaise, oui, je suis d'accord. Oh. Oh. Ubisoft présente seulement maintenant. Alors là, ce qu'on a vu, c'est même pas tout le truc. Putain. Oh, salut. Est-ce que tu pourrais... veux? Ouais, on peut pas monter dessus. Oh là. Oh là, ouais. Ça allait être fin de la présentation. Oh là là. Oh là là. Arrête. Oh là, ouais. Sérieux. Mais grillez pas toutes vos cartouches maintenant, les gars. C'est trop beau. Oh, je m'en fous de partout avec maîtresse. Des îles flottantes. Avatar, Frontier of Pandora. Oh lolo. Sur l'Epic Game Store avec le code créateur Wonky dans le lien.
Miam. C'est quasiment GTA, vous pouvez tout faire, vous pouvez tuer des gens, vous pouvez vous accoupler. Tu penses qu'ils auraient pitié? Qu'ils seraient tristes de ce qu'on est devenu? Nous sommes toujours des Sarentu. Daylan parle à peine notre langue. Mais c'est ouais, vrai, c'est beau, mais je... il a toujours préféré les mots humains. On peut rien faire de ce que vous racontez. Fin de la soirée. Il y a un planeur, un deltaplane. À mon avis, à un moment, il y en a un. Plus de vie. Ouais. Merci, Aewa. Temps restant, 6 minutes 50. Pour Pour faire... Je dois sauter? Je sais pas, ça fait quand même un gros plongeon. Mais ça se trouve, lui, il l'a fait. J'ai hyper peur. Oh, oh. Ah, stylé, en vrai. Et jusqu'au dernier moment, je me suis dit, bah là, je vais faire un plat. En vrai, j'ai bien aimé les animations qu'ils ont fait et tout là. Alors, on a vu que si on les énerve, ils nous attaquent, mais que si on leur fait rien, c'est ok. Ah, tu crois? Ok. Ouais, ouais. C'est, tu sais, c'est comme des triceratops. J'ai rien dit. C'est bien ce que je me disais. Il est en train de te charger le cul. Je te le promets. Alors, sont attaqués à station de recherche. C'est par où? Suivre la fumée dans les flèches ascendantes au sud de la rivière filée. Bon, j'ai rien compris, mais en gros, faut aller. Que c'est par là, quoi. Le sud, la rivière, elle est là. Station de recherche, ouais. Ouais, tu venais de là. Salaud d'humain! Par là-bas? J'imagine. Je fais un challenge de ne pas ouvrir sa carte. Oh merde! Ah ouais, mais regarde ma carte. Oh merde, tu pars dans les. En plus, t'as plus la TP là, il veut plus faire des TP? Ça m'intéresse pas? Si, je pense que je peux TP au. Ah ouais, non, je peux pas. Ouais, ils l'ont bloqué. Ah ouais, je pense que je suis sur le bon chemin. Tu crois? Ouais, t'entends? C'est un canard. C'est vrai que logiquement... Oh le bazar. Non, oh je t'ai pas. Le temps presse. Oh, il a bouffé dernier moment. Ça me fait mal tes flèches. Qu'est-ce qui... Oh putain, c'est de la team ça? Non, c'est pas de la team. Ouch! Qui? Je suis de ton côté. Je suis de ton côté. Oh, tu l'as épargné. C'était un instant de grâce, vraiment, genre. Va. Mode de camp. J'ai vraiment volé là. De ouf. J'ai comme l'impression que ce truc était un événement genre... Oui, c'était un petit événement. En fait, finalement, ça n'avait pas vraiment de rapport avec ma mission principale. Putain. Attention à ça. Pour moi, le centre de recherche serait peut-être plus nord-est, tu vois. C'est quoi ma quête? C'est le centre de recherche de la résistance? Quartier général, station de recherche... Après, t'étais à côté de la station de recherche tout à l'heure. Quand tu sortais du quartier général, oh, t'étais... Putain. J'avais pas dézoomé la carte depuis le début. Putain. Ah ouais. Oh putain, c'est pour se branler. Oh il y a là, on peut... Ici. Ouais. On peut tous y mettre son truc. On peut s'y mettre à 8. Ah ouais, giga map, hein. Je vais où? Moi, pour moi, faut aller au QG. Ils se font attaquer au QG. Ils ont le seul. Tu demandes de faire demi-tour. Ah bah là, complètement, ouais. De toute façon, je pense que t'auras pas le temps. Sans vouloir genre être là, pessimiste. Ça va être la fin?
Oui. Tu as déçu ton peuple. Tout le monde est mort. Par ta faute. Non, je vais y arriver. Ils vont égorger tes frères et sœurs devant toi. Oh non, ils vont voler mes rations de survie. C'est par là, hein. Bah, j'avoue, c'est loin. Oh. Non! Franchement, ça va le faire. Ouais! Ok, les gars, c'est pas juste. C'est pas en juste. Plus. Je passe! Ah, il a appelé ses potes et tout, oh putain! On n'a pas joué à deux parce que. Alors, c'est disponible en coop, mais on n'a pas joué à deux parce que j'avais pas le jeu. Trop long à télécharger pour moi là. Et je crois qu'il n'était pas encore dispo. Le jeu, il est en précommande, il sort demain. Et je crois que là, c'était pas tout à fait dispo. Et puis ça se débloque un peu plus loin, je crois. Je vais quand même pas les faire eux là. Oh, la petite gourmandise sur le chemin. Ah, c'est vicieux parce que t'as l'impression que ça va être un point faible. Bah. Eh ben, il a des moves. Ah putain, il est chaud lui. Putain, la vitesse. Oh. Alors, le problème c'est que j'ai plus de. Oh ouais, il va rien comprendre quand ça va venir des arbres. Mort. Hop là. J'ai vraiment l'esprit de la jungle en moi. Bon, par contre, j'ai foutu. 1 minute 38. 1 minute 30, ouais, bah là, ils sont en train de. J'espère que t'as raison et que c'est vraiment là-bas que ça attaque. Hein. Bah, de toute façon, tu vas recommencer du feu de camp, j'imagine. Enfin, je suppose que ça va recommencer la mission, quoi. Alors... ça donne envie de sauter quand même, hein. T'as de l'eau en dessous. Ouais, regarde. Heywa. Heywa. Sauve-nous. J'ai cru jusqu'au bout, puis j'ai vu plein de verres. Ah voilà, donc là, à mon avis, okay. Effectivement... Wow. 360. Superbe. Donc là... Par où? C'est vrai que ça pousse à aller au sud-ouest. Mais hein. ça me fait aller par là. Hein. Eh, attends. C'est bleu, quoi là. Ce truc là. Ouais. Eh, mais, t'aurais mais dû mettre le mode guidé. Bon, en fait. Non, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Et oui, c'est ça, putain. Les micro-événements sur le chemin, c'était juste des friandises, c'était le bon chemin. Ne vous inquiétez pas, ça va arrêter de grésiller. Voilà. Ok, j'y vais, Priya. J'arriverai avant eux, je te le promets. Ça va venir, vous inquiétez pas. Ah ouais? Faudra être patient. La rivière, je trouve. Ah, je vais suivre la rivière peut-être. C'est là que j'aurais dû. Ah mais je peux pas la suivre. Elle a pas trop envie la rivière. OMG. Putain, mais là tu as retrouvé tes racines là, t'es... un vrai navire là. C'est bon, je suis la rivière. Ces gros arbres en cheveux là, ils me mettent mal à l'aise. Oui, on dirait que c'est une anomalie. Ouais, bizarre. Comme s'il y avait un truc alien sur la planète. J'ai l'impression qu'ils vont nous attraper.
J'aime pas trop. Bah c'est super loin. Oh c'est loin ça... En fait je crois que ça peut pas être ça. Parce que maintenant je me rends compte en marchant que c'est super loin. Attends, c'est un truc de ouf, il faut une semaine pour y aller. Alma et Félix sont attaqués à la station de recherche de la résistance. Le chat. Moi mon hypothèse c'est la station de recherche, c'est le truc de tout à l'heure. Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça l'est? Le truc qui me paraît juste bizarre c'est qu'au feu de camp quand tu commences la mission ça te pointe au sud-ouest. C'est ça que je trouve bizarre. Ouais, ça me fait aller là-bas. Mais tu dis ça en mode les gens ont joué. Non mais parce que tout à l'heure, il y a une quête qui parlait de la station de recherche. Donc il me semblait qu'on y était tout à l'heure. Vous allez dans le bon sens. Suivez la fumée dans les flèches ascendantes. On voit la fumée au loin. On irait dans, la dans fumée. Le... Vous voyez de la fumée où vous? Ah, c'est une journée nuageuse quoi. Vous voyez de la fumée quelque part? Putain mais j'ai pas de chance. C'est extrêmement dangereux. La fumée Je vois pas de fumée hein. Au sud de la rivière Filet. C'est-à-dire. Bah, c'est marrant, on dirait que le jeu veut pas que t'ailles ici. Ouais, comme si des éclairs tombaient volontairement sur ma gueule. Non mais là c'est une blague. Peut-être qu'avant le grand saut dans l'eau on voit de la fumée, c'est vrai. De toute façon, je crois qu'on va bientôt le savoir. Oh oui. Oh dommage. Pandora est une terre hostile, je devrais pas avoir de mal à trouver quelque chose. Tu cherches un moyen de mourir. Ouais. Comment mourir? Par noyade. Mes poumons doivent pas être très résistants. Ah, ils sont bons sous l'eau. C'est vrai qu'ils ils tiennent pas super longtemps, sauf le peuple de l'eau. Ah oui, c'est vrai. Mais crève! Bah. Ah. Est-ce qu'on va avoir de la fumée? Ok. Alors, on guette bien de la fumée. Mais non, mais il fait un temps de chien! Et c'est quoi la rivière Filet? C'est noté sur ta carte, la rivière Filet? Bof, hein. Putain, faut connaître. Hein. La forêt des Kinglore. Eh ? C'est... Non. Fumée noire énorme. Ah oh, putain ! Ah oui. Ah ouais, mais j'ai confondu avec, tu vois, la canopée. Moi aussi, j'ai cru que c'était un arbre, carrément. C'est vrai que, pour le coup, tu m'as fait peur. Ah, j'ai presque eu peur. Presque une sensation désagréable. Des fois ça m'arrive d'avoir le vertige dans des jeux. Quand je saute de trop haut. Ouais, quand ça me marche quand ils augmentent la fauve. Ouais. Calme. Ok, j'y vais, Priya. Et bah je lâche pas vite. Ouais, pas le peuple de l'eau, hein. Ça va se demander, je suis le peuple de quoi? J'arriverai avant eux, je te le promets. Oui, c'est vrai, toi t'es le peuple de rien. Hey, c'est qui eux? Pacifiste. Quand est-ce qu'il y a du soleil? Putain, je suis dégoûté. Ouais, moi je voulais une belle planète, elle est toute colorée. On me fout de la pluie et de la tempête, merde. Elle est toute niquée là. C'est par là à peu près. Ouais, à peu près. Oh, c'est un énorme fruit. Ah non. Oh, croque. Fumée noire, c'est bon, c'est par là. C'est là. Oh, bah avouez que c'est dur à voir. Oh non, ça recommence. Ah ça va, ici c'est scripté un peu. Ça te fait juste peur. Trop tard. Et voilà, ils vont tuer tout le monde. Dommage. Ils sont en avance. Ah, j'aurais pu passer par là. Ah ouais, là tu vas devoir
faire un peu de parcours. Ça donne du boost ces petites plantes là, quand je cours dessus. Ah, c'est ça. Ouais. Ça vole ce caillou là. C'est pas. Alors ça. Oula, alors là. Moi j'ai jamais vu ça. Hein. On est d'accord, on est d'accord. Ça n'existe pas. Hein. Ok, on est dans Avatar, mais bon. Hein. Oh, il a trop le seum. Je peux pas le looter ça. Qui me. Oh putain. Ouh. Oh là là, mais attends. Mais je suis un vrai Navi. C'est pas un gameplay IGN ça, hein. Oh putain. Ça touche, hein. Je sais plus où est la fumée. Oh non. T'as retenu la direction? C'était sud-ouest. Ok, c'est par là. Enfin, je crois. Oh là. Bon, sûrement. J'ai pas un instinct qui me dit non. Ah, non. C'est des bons gros arbres, hein. C'est des très gros troncs. J'arrive à une base. C'est ici? Ouais. C'est pas de fumée. Yep. Fumée. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? De... Oh, le petit gourmand. On va pas se faire chier, hein. Oh non, il va faire un massacre. Ah non. Oh, il a pris la flèche. La flèche qui fout le bordel. Qui parle? Allez, me lâche pas. Salut tout le monde, 360. Et merde. Comment ils nous ont trouvés? Aucune patrouille ne passe par ici. Putain. Ils sont à notre recherche maintenant. Oh. Ok. Ça va aller. D'accord. Écoute-moi bien. Ça va aller. Regarde. Tu as déjà vu ce genre de choses? Non. C'est quoi? Ok, on saura jamais ce que c'était. Ok, ça marche. Non, oh, le bâton. Un lance-pierre. La fronde à manche. Oh, ça c'est stylé, c'est pour envoyer de la grosse caillasse dans la gueule, ça, non? Bon, j'espère que j'ai envoyé des grenades. Ah non. Regarde-moi ça. Ah oh, si, c'est du matériel électronique, c'est une bombe. Mais c'est trop bien. Bah, je peux l'envoyer ici. Ya yeah. C'est des pièges. Ah. Je suis un peu déçu. Moi aussi, je m'attendais à des grenades. Après, tu peux peut-être changer ce que tu mets dedans. Hein. C'est comme des mines de proximité. Ah, apparemment oui, regarde. Ça marche bien. Bim. C'est excellent. C'est bien. Ah merde, mais j'en ai plus. J'ai tout envoyé là. J'ai tout envoyé. Ok, les prochains tu les fais avec des flèches. Attends, il y en a une autre. Là, là. Non, passez par là. Oui, oui, vas-y, marche. Oui, parfait, attention. Et... Allez, et... Et ouais. Ah, voilà. Oh là. Oh là là. Oh, ça touche. Attends, il doit y avoir du... Ah, t'as eu des pièges à grenades. Ah, bah... Oh, tiens. Merci. Et hop là. Il se pose où? Vous posez où? Et hop là. Ça va dégager tout ça. Oh, lui, c'est juste pour lui. C'est sympa. Je peux simplement le coller dessus directement. Loin, je pense que peut-être. Ouais, sûrement. Mais c'est le grand combat merde. Final là. Mais c'est la fin du jeu. C'est le. J'ai un peu rusher en ce qui prend les dialogues. Putain, t'es allé vite. Merde, il faudrait. Ouais. Tu vois qu'il y en aura. Sacoche de guérilla. Pas vraiment ce qu'on veut. T'as comment se faire pour en choper? Aïe 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 aïe. T'as pris 80 balles.
Ah, y'a là-dedans, y'a. Ok. Bouge pas. Arrête. Attends une minute. Arrête. Attends deux secondes. Si tu peux juste. Oh l'enculé. Oh le connard. Je te promets que tu vas. Oh le connard. Bon. Bah, au final, mon truc. Ça va. Je pense que c'est terminé. On n'est pas encore tiré d'affaire. Oh et oh. Par contre, sacoche là. Je peux pas la mettre la sacoche. Bah, si je peux la mettre alors. Ouh, la résistance élémentaire. Dégâts au point faible, énergie, résistance élémentaire. Bon, que des bonnes énergie, choses, j'aime mais... bien. Mode, je peux pas. Ok. Oh putain, les petons. Serait temps que tu te mettes des chaussures à un moment quand même. Je vais en chercher, tiens bon. Bah je veux bien en chercher mais... Il se trouve à... Oh putain, alors l'est de la station de recherche. Le matériel médical. Genre là, là, ou plus loin. Je pense Genre... L'est, par là. Je dirais d'aller à l'est. Ah bah on dirait bien que c'est par là. Ah. Plutôt comme ça, ouais. Quoi ? Oh non ! Attends, qui a parlé ? Oh, c'est vous. Trouvez les hostiles ! Trouvez les hosties ! Trouvez la menace ! Et puis vite, il va ! Il ira nulle part ! Oh, comment il a volé ! Regardez-moi ce gourmand. Oh ! Oh ! Oh oh oh, oh ouais, il est pas en bon état mais on espère que ça va être bien. Allez. Ah oh ouais. Voilà, là je deviens un vrai homme. Là ok. Moi aussi je veux, on veut faire ça. On veut aller sur les oiseaux. Ok, amenez-moi des mecs. S'il vous plaît, il y a un autre narpi par ici. Il va m'aider. Ah ouais, ouais. Et je l'envoie, hein. Ouais. Alors ouais. Là, je suis un peu dégoûté par ce que je viens de voir. Parce qu'elle est restée en l'air. Je suis dégoûté. Allez, c'est parti. On va voir si ça... Il n'y a pas du FPS. Après, du coup, tu vas... Ouais. Tu vois? Ou alors y'en a une, mais j'ai pas la touche. Ah, je sais pas. Oh, c'est canard en fait ça! C'est ça qui nous manquait là! Oh, c'est peut-être en troule! Ouais. Oh là là, mais c'est fou ce gameplay là, c'est du parcours ou quoi? Ah, la qualité graphique, vous y fiez pas, en vrai c'est partage Discord. Ah moi c'est parfait, c'est dommage. Plus ce stream. Donc imaginez bien que ce que vous voyez là, bon, c'est évidemment pas la qualité du jeu quoi. Oh c'est très beau. Là, dommage que vous voyez pas ça. Ouais, en gros. Ah! C'est impossible que ce soit beau sur le stream. Hein. On l'a échappé, Ben. Il y avait beaucoup d'AMP. C'est la première fois que j'en vois autant. Ce sont les jouets préférés de Mercer. Tu as l'esprit vif. Je suis désolée de pas avoir pu t'aider. J'ai eu de l'aide. Solek a fait diversion. Et tu as vu cette Narvi? Les écrans sont. Je n'y ferai jamais. Non, moi non plus. Vraiment, à chaque fois qu'elle dit Narvi, ça me. Un scorpion de la RDA ne fait pas le poids face à eux. Narvi, marcheur de rêve. Arrêtez! Vous combattez ceux du ciel sans aucune aide. Vous êtes courageux. C'était incroyable.
la manière dont tu as détruit cette chose. Merci. Bon, c'est toi qui as fait tout le boulot. Ouais. Ouais, c'est clair. Tu portes la marque. Ah, on est l'élu les un peu. Sarentu. Les compteurs, les faiseurs de paix. Mon père dit que ton clan a disparu il y a des années de cela. On vous croyait tous morts. L'esprit des Sarentu ne s'éteint pas si facilement. J'espérais seulement trouver la résistance ici, mais... les Sarentu... Je suis Etua, Sarik, des Aranei. Ça va, Etua. Je connaissais ta mère. Je suis navrée. Notre maison souffre également. Ceux qui viennent du ciel nous envahissent et la terre se meurt juste sous nos pieds. Bah, cependant... Donne-moi ta monture, mais me fais pas chier à me parler par contre. Je vais devoir arrêter de parler. Soplek, un autre navire est venu. Dans le cul la monture. Et toi. Mais je peux pas croire qu'à un moment on n'a pas une monture. Mais si. T'as découvert aujourd'hui qu'il y avait un jeu Avatar, donc t'as rien vu, mais moi j'ai déjà vu des trailers du jeu. Et t'as une monture. Ah. Il n'a pas peur de la RDA. Ah, ça saute. Ah, maintenant ça saute. Mais pas avant. Je le comprends. Thomas. Mon nom Navi, c'est Thomas. Le plus grand arbre dans la forêt soyeuse de la forêt des Kinglor. Je devrais le voir à l'œil nu. Le plus grand arbre. T'as vu, quand la guerre elle est finie, il fait beau. C'est un beau message de paix. Ouais. Mais j'ai envie d'aller tout là-haut, genre. Comment je fais pour savoir où est le plus grand arbre de la forêt des Kinglor? La forêt soyeuse. Oh. C'est dégueu ce truc-là. Là. Ça pète, l'arbre pète. Ah, arrête. T'es dégueulasse. Oh. Ah, c'est sur partout sur ton arme. Ah, ça, c'est corrosif. Il t'a vomi dessus. Oh, t'es tout ah, plein c'est de merde. Couvert. Arrêtez. Le plus c'est grand hostile, arbre. Hein. Le plus grand arbre. C'est grand ça. C'est pas un arbre. C'est Piculric pour les 5 subs. Tiens, il y avait merci, Piculric. Ricordichon. Et tout à l'heure, Choufleur. Putain, t'es plus là, mais ça, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain, c'était au moins 20, Choufleur. Merci beaucoup. Merci, Choufleur. Choufleur. Merci, Choufleur. Tu penses que c'est où le plus grand arbre de la forêt? Parce que là, c'est. On est dans la forêt de. T'es dans la forêt soyeuse. T'es dans la forêt des Klingor. Regarde. Là. Et t'es dans la forêt soyeuse quand tu. Ou ça oh, bah dit pas ça, je sais pas. Bah, elle est soyeuse. Beaucoup trop. Ah, ouais, elle est soyeuse, mais. Je sais pas si c'est la forêt soyeuse. Ce que je sais, c'est que là, elle est là. Le plus grand arbre. On le voit sur la map. Ah! Quoi? Pardon, hein. Mais vous voyez un grand arbre là? Pas. Ah, ça? C'est un. Salamaya. C'est un arbre? Ça? Ce truc là? C'est peut-être ça, ouais. Je pense que oh, c'est ça. Oh, je vais d'escalader! Ah, y'a moyen. C'est loin! Ce qui m'inquiète, c'est que je vois pas d'arbre là. T'as un putain de voyage à faire. Hein. Pour ranger ton arme, c'est C. C'était. Putain. C'est quoi ça? Il a annulé ma vanne, plus il avait la touche quoi. C'est... Oh putain, bah c'était une mine. Oh. Putain, j'ai pas un grappin. J'avoue que c'est le genre de jeu où t'es vite frustré de pas avoir de la mobilité. Parce que ça bah, sent. Je pense que tu l'as, mais il faut le débloquer quoi. Ouais, après quoi. Parce que tu. Qui tire ? Tu sens que la map est faite pour ça quoi. Pour voler dans tous les sens. Ah, mais la nature se bat entre elles. Ah ouais, bah ouais, je peux pas grimper là.
bah, y a pas de plante sucheuse. Attention, il est extrêmement agressif. Bon. C'est ce que je vois. C'est trop triste. J'ai de la peine. Ce qui est triste, c'est qu'il est super résistant. Il est fort, hein. C'est quoi ce bordel? Comment tu fais pour être aussi résistant? C'est une tortue? Il est beaucoup plus résistant que les mechas. Ah, mais c'est un genre de tortue de... C'est hyper triste ce que t'as fait. Je peux pas le récolter. Ouais, il est, rien. Il est médiocre parce que tu l'as mal tué. Ouais. Bah, je me dis qu'à un moment donné, je vais. C'est mais quoi, non. Tu vas traverser la montagne. MG. Putain, je peux pas y accéder à ça. C'est stylé la grotte là. Je sais pas. Qu'est-ce que je suis censé faire de ce plat là? Tu vas peut-être pouvoir traverser la montagne. Attention hein. Avec beaucoup de délicatesse hein. Ça se trouve, c'est un truc super rare pour faire une bombe nucléaire. Champi-sauge. Et... c'est une cache d'armes. Ouais bon du coup c'était pas pour traverser la montagne. Ouais, pas du tout. J'ai un peu d'espoir mais ça sert à rien. Je vais jamais pouvoir grimper cette falaise, c'est impossible. Ah c'est le dilemme, est-ce que tu essaies d'escalader ou est-ce que tu contournes tout? Je peux pas escalader. Bah bof ouais. Le problème c'est que j'ai l'impression que cette falaise me baise. Ah je la contourne en fait. Tu peux la contourner. Bah je la contourne ouais. Ouais. Ouais, à part suivre la rivière. Putain, j'ai une faim de loup. Mais je n'ai pas de nourriture. Un fruit caché là. Oh. Ouh. Je sais pas combien il est ton partage, mais chez moi c'est beau. C'est ok. En fait, on devine que c'est beau. On se dit, putain, ça doit être beau quand même. C'est vrai qu'on voit le grand arbre. Où ça? Ouais, on voit toutes les branches qui vont vers le ciel là derrière. Ah là, il est caché maintenant. Là? Derrière ça. Derrière ça? Ouais. Qui tire? C'est encore une déforestation humaine. Sale blanc. Tout ça pour faire de la pâte à tartiner. Connard, hein. Ça valait le coup de raser Pandora pour avoir 2 kilos de Nutella parce que putain, il a été mis. Bah, c'est pour le Nutella noisette là, le nouveau là. Putain. Oh non. Oh, le Nutella Pandora là, saveur noisette coco, non mais sérieusement. L'abus. Hein. Tu es sûr que c'est par là du coup? Non, je suis pas sûr. Tu m'as dit que t'avais vu les branches par là. Ah bon? Ouais, bah ouais. C'est par là. J'ai vu un truc qui ressemblait à ce qu'on a vu sur la map. Mais là, t'es baisé. Je suis pas complètement baisé, je vais escalader. Oh, tricheur. Tricheur. Il triche. Ok. J'utilise la nature à mon avantage. Et donc là, t'as vu. Bah là, je vois. Ah, là, à droite. Il y a des grosses branches qui vont dans le ciel. Ah putain, on le voit plus maintenant. Mais où ça? Je le vois par bribes. Il est fou ce mec là. Plus on se rapproche, plus c'est dur de le voir du coup en plus. Eh, comment ils ont fait pour faire une nature aussi dense et que ce soit fluide? Ça me rappelle l'époque Crisis. Eh bien... Putain, tous les bambous.
attention. Tous les bambous ici. Tous les bambous par-ci et par-là. Hop là. Et un. Ah putain, mais il refait sacre technique à la con lui. Vas-y. Oh là. Oh mais. Quoi? Quoi? Oh. Non. Quand? C'est où? Juste à côté. Non, ça va. Non, ça va pas. T'es sûr? Je sais plus. Je sais plus trop où t'étais. Non, ça va. Pardonnez. Si je vois l'arbre, je te dis stop. Il est censé être. Parce ouais, que je l'ai vu quoi. Censé être sûr. Par là. C'est quoi ces trucs là? On dirait d'anciens vestiges. Ouais. Là on doit voir l'arbre. Non. Mon cul. C'est vraiment le même bruit dans le film. Mais je vois pas d'arbre à la con hein. Si t'inquiète. Bon là je le vois plus mais c'est parce qu'on est trop proche. Du coup c'est trop dur de le voir avec la végétation autour. Bien sûr. Tous les prétextes sont bons. Dommage! Ouais, mais tu vas trouver un moyen. Ah, il commence à tenter les arnaques! Ah oui! Ah oui, oui! Allez! Allez! Ah, non. Allez! Allez! Ouais! Voilà! Le problème, c'est que j'entends. Ah, oh, ils sont plusieurs! Ah, oh, ils sont plusieurs! C'est dommage! Tu peux pas les contourner? Ah non, ils ont capturé un. Ah! J'ai l'impression que t'as été. Oh, le double pied là! Il est pas mal ta fronde là, c'est pas mal. Hein. Et c'est bon? Allez! Los Kingos, comment je vous libère? Tu vas le libérer et il va te casser la gueule. On est d'accord que je t'ai libéré. Ami. Ok. C'est bon, ami. On se serait un peu abusé sinon. Par contre, ce que j'aurais pu faire, c'est à distance. Ah ouais. Libérer. Il aurait cassé la gueule. Merde. Il aurait cassé la gueule à tout le monde. Ouais. Par là-bas. Plus... Par là-bas. Ouais. Ton soi-disant arbre géant. En plus, il ressemble exactement à ce qu'on voit sur la map, quoi. Oh! Ouais, les grosses branches là-haut là. C'est ça là! Ouais, derrière! Derrière! Je vais grimper le truc. Bon, en faisant un peu d'effort. Un genre de tyrolienne géante. Oh, la taille du tronc! C'est un bel arbre. Ou alors, il y a une petite plante suceuse. Qui est là-haut et qui... Et qui va me tout là-haut. Voilà. C'est quoi pour toi la taille idéale? D'une plante suceuse? Non. La question est large. Ah! Non, ah. Je voulais aller moi-même en haut. Toi,
Attends! Je n'en ai jamais vu comme toi avant. De quel clan es-tu? Quelle étrange vision. T'es bête ou quoi? Et toi m'as invité ici, pour rencontrer son père. Qu'as-tu sur le visage? C'est la marque des Sarentu. La marque de la bête. Mais les Sarentu que nous connaissions n'auraient jamais défié Eiwa avec cette ferraille humaine. Je ne connais rien d'autre. Ils nous ont pris quand nous étions enfants. Ils ont pris tellement de choses. Tu es parti bien longtemps. Et tu es encore jeune. Ton esprit a-t-il été façonné par les Sautouté? Ou te souviens-tu des coutumes de ton clan? Allons, veux-tu ranger cela? Le regard. J'adore la famille et tout ça. Et voilà. Je dois retourner parler au père maintenant, des Toa. Faut juste me donner une monture et puis basta. Hein. Plus tard, ma Yantu. Il est notre Holo Ektan, le chef de notre clan. On va d'abord. Arrête de mettre du rayon X sur les dames. Je voulais essayer, voir. Ça se trouve, le pagne, ça passait. Et puis, je te déconseille. Est-ce que des gens savent à partir de quand on a une monture? On l'aura jamais ce soir. Ils ne sont que problèmes. À mon avis, c'est chaud. Nat n'aime pas les problèmes. Je vais plutôt te faire visiter. Hein? En tu gros, les devs de jeux vidéo, je vous explique un truc. Oh, cela fait une soit éternité que nous n'avons fait pas une fonctionnalité pour qu'on marche à la même distance et au même rythme que les personnes qu'on doit suivre. Soit vous nous cassez pas les couilles. Une fois. Dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on doit faire ça. Du rare rituel d'accouplement des c'est sûr, personne ne veut faire ça. Tu fais ça avec quelqu'un? Tu cours un peu et t'attends. T'arrives pas à te caler dessus? Mais je te raconterai ça plus tard. Notre grand arbre renferme de nombreuses histoires. Il a vécu tant de vies, accueilli tes ancêtres comme toi aujourd'hui. Et aucun Sarentu n'a jamais pu résister à notre danse. Tu t'es grillé la queue. Ça va faire super mal. Oui. Viens. Viens voir mes tisserands. T'as eu un ingrédient de cuisine noble. Koranu, je l'ai volé. Ami, regardons ton œuvre. Magnifique soie, n'est-ce pas? Oh mais c'est bon, j'en ai rien à foutre de ton métier à tisser. Pardon. Tu vois ça? Profite de toute cette beauté. En parlant je peux faire quelque ça... chose? Oui, tu peux travailler on peut gratuitement. Payer avec une autre monnaie, toi. Ben tiens. Ah, bah, tu m'emmerdes. Un peu sauvage, mais ils ont quand même la valeur de l'argent. Oh ah bon? À me demander des conseils. Ouais. Tu vois ça? Profite de toute cette beauté. En parlant avec sa mitrailleuse ça, là. Je vois bien que j'ai un calibre 55 dans la main là. Me fais pas chier avec tes discours. Tu as enfin décidé de me faire l'honneur. Reloun! Pourquoi elle a crié sur lui? Elle est juste à côté de lui. Reloun est. Bernard! Bah, tu l'as? Aujourd'hui. Fais-en bon usage. Reloun est un peu colérique, mais c'est le meilleur cuisinier. Et il le sait. Et voici mon ami. C'est moi qui va me présenter tout le monde. Eh mais putain! On s'en fout! Ça, c'est mon cousin! On avait souvent joué ensemble quand j'étais petit! Comment on en a rien à foutre de sa vie là? Je veux une monture! Je veux aller dans le ciel en gros! Vous pouvez maintenant continuer votre aventure en coop avec un autre joueur! Ils ont menti! Eh bah c'est bon, on va pouvoir commencer! Bah ça veut dire que. Par contre, ça veut dire qu'on aurait dû jouer jusqu'à là! Pour avoir la coop! Bah c'est ouf hein! Bon, à savoir. J'ai du mal à croire que on n'est pas la monture en même temps que la coop. Tu avais raison à leur sujet. Mais l'une d'eux m'a accueilli, Nefika. Elle pense que je peux impressionner. Ouais, bah la monture, je pense que c'est une récompense chassée. Bien plus tard. Je t'envoyais chasser. J'aurais dû t'enseigner cette aptitude. Ne t'en fais pas. Nefika m'a dit que l'un de leurs chasseurs pouvait m'apprendre. Iitu. Ah bah ouais, c'est le moment open world là. Enfin, c'est... Ouais, ça y est, RPG là, je peux choisir mes quêtes... Putain, donc la monture, je vais pas l'avoir, hein, je sais pas où. Je m'inquiète pour elle. Ok. Toutes les entrées sont couvertes. Bon, et bah minuit 44, c'est l'heure d'aller me remplir la panse. De même.
Sœur de vous souhaiter un excellent appétit. Voilà, un très bon appétit à tous, et puis vous savez où vous procurer le jeu. Tout le monde. Cliquez sur le lien pour voir un coup. Tous. Genre si je mets point d'exclamation jeu et qu'après je copie-colle ce message plein de fois et que vous cliquez un peu dessus pour me faire plaisir. Bon, je l'ai mis un petit peu là. Voilà. Et puis oh, ton partage qui grésille, bah voilà, j'ai plus envie. J'arrête de le regarder. C'était la dernière fois qu'il grésillait dans mes oreilles, alors là. Bon, on s'en est sorti, ça va. Voilà, n'hésitez pas à cliquer, ça sort demain. C'est en préachat, mais demain matin c'est débloqué normalement. Voilà, allez, bonne nuit. Bonne nuit à tous, à bientôt. Salut. Ciao. Trop walking crazy. Tranquille baby, tous les modos sont walking crazy. Walking crazy, rime qui marque le walking crazy. Walking crazy, tout le chat répond walking crazy. T'es relou, t'es pas walking crazy. Gaffe de bonne raison, walking crazy. Tu pourras te plaindre, même chose crazy. Mazer est un walking crazy. Skill de Nene, quand je bats, c'est des roulettes de ZZ. Walk kill crazy, c'est pas Lucas au char, c'est walk kill baby. Moi, walk kill crazy. Moi, walk kill crazy. Moi, walk kill crazy. Moi, walk kill crazy. Mercredi, dimanche, walk kill crazy. Tous les jours, la semaine, walk kill crazy. Même quand y'a pas live, walk kill crazy. Monte le son, c'est trop walk kill crazy. Walking crazy, tous les jours de la semaine, walking crazy. Walking crazy, mercredi, dimanche, walking crazy. Sur tous les chats, y'a des walking crazy. Putain, c'est walking crazy. Toute la commu est crazy. Crazy, crazy, crazy. La CCP, walking crazy. Horty était, walking crazy. J'crois qu'on est tous, walking crazy. Même la Ketro, walking crazy. Mercredi, dimanche, walking crazy. Tous les jours de la semaine, walking crazy. Même quand y'a pas live, walking crazy. Le son c'est trop walking crazy. Walking crazy. Tous les jours la semaine walking crazy. Walking crazy. Mercredi, dimanche walking crazy. Moi walking crazy. Moi walking crazy. Moi walking crazy. Moi walking crazy. Mercredi, dimanche walking crazy. Tous les jours la semaine walking crazy. Même quand y'a pas live walking crazy. Monte le son c'est trop walking crazy. Mercredi, dimanche walking crazy. Tous les jours la semaine walking crazy. Même quand y'a pas live walking crazy. Monte le son c'est trop walking crazy. Mercredi, dimanche, walking crazy. Tous les jours, la semaine, walking crazy. Monte le son, c'est trop walking crazy. Walking crazy.